Ah oui, je le connais de nom. Mais qu'est-ce qu'il fait exactement ? C'est la troisième assemblée de la République, après l'Assemblée nationale et le Sénat, qui ensemble forment le pouvoir législatif. Le CESE, lui, est une assemblée consultative. Il conseille le gouvernement et le Parlement sur l'élaboration des lois et les orientations des politiques publiques. Mais qui sont ces membres ? On ne vote pas pour eux, il me semble. Non, ces membres sont désignés. Ils représentent la société civile, ce sont des femmes et des hommes de terrain. C'est-à-dire ? Ils sont désignés par les organisations dont sont membres les Françaises et les Français. Syndicats de salariés, de chefs d'entreprise, d'agriculteurs, d'artisans, par des représentants de l'économie solidaire, des associations, mutualistes, familiales, étudiantes, environnementales, humanitaires. Le CESE, c'est par exemple la seule assemblée constitutionnelle dans laquelle les organisations de jeunesse ont une place. Un genre de France en miniature en fait. Exactement. Et tous ses membres dialoguent et échangent entre eux dans des formations de travail. C'est un peu le seul endroit où un chasseur peut discuter avec un défenseur des oiseaux. Ça doit être animé les débats. Ah, sans doute. Et encore un point intéressant, c'est l'assemblée la plus paritaire. Il y a presque autant de conseillères que de conseillers. D'accord, mais quel est son rôle concret ? Au-delà de son rôle de conseil, le CESE permet de favoriser le dialogue entre toutes les catégories socio-professionnelles pour qu'elles aillent dans le sens de l'intérêt général. Grâce à lui, on sait jusqu'où les Français sont prêts à aller sur une réforme. Il contribue aussi à évaluer les politiques publiques. Et enfin, il collabore avec ses homologues au niveau territorial et international. Ok, et tout ça pour améliorer l'économie, la vie quotidienne et protéger l'environnement. Ça me semble assez abstrait quand même. Mais détrompe-toi, le CESE est un laboratoire d'idées qui a des conséquences directes sur notre vie de tous les jours. C'est un outil de la réforme et du changement, au service de ceux qui décident ou légifèrent, et du coup, au service de tout le monde. T'as des exemples ? Eh bien sûr ! La garantie locative universelle pour les jeunes, par exemple, qui permet aux moins de 30 ans d'accéder plus facilement à la location d'un logement, c'est grâce au CESE. Et la loi de transition énergétique qui vise à lutter plus efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre. Elle s'appuie sur les recommandations du CESE. Le CESE a aussi été à l'origine de la création du RMI en 1988, entre autres. Ah, là, ça me parle davantage. Et qui décide sur quoi il travaille ? Le Conseil est saisi par le gouvernement et le Parlement. Il peut aussi s'auto-saisir d'un sujet qui mérite, selon lui, la réflexion de la société civile. D'ailleurs, le CESE associe régulièrement les citoyens à l'élaboration de ses travaux via des consultations. Et enfin, si tu présentes une pétition avec 500 000 signataires sur une question économique, sociale ou environnementale, tu peux aussi le saisir. Donc moi, simple citoyen, je peux demander au CESE de plancher sur un sujet qui me tient à cœur. Mais j'ai plein d'idées! Tu connais ce grand bâtiment tout rond ? Oui, c'est à Paris, le Palais d'Iéna. C'est ça. Eh bien, c'est le siège du Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Ah oui, je le connais de nom. Mais qu'est-ce qu'il fait exactement ? C'est la troisième assemblée de la République, après l'Assemblée nationale et le Sénat, qui ensemble forment le pouvoir législatif. Le CESE, lui, est une assemblée consultative. Il conseille le gouvernement et le Parlement sur l'élaboration des lois. Je
Tout d'abord, j'ai évidemment, avec beaucoup de tristesse, à saluer la mémoire de nos collègues décédés en cours de mandat. Et comme le veut l'usage, nous allons rendre hommage à Jacques Bell. Et nous rendrons hommage à Jacques Bell dans une séance plénière spécifique, auquel nous convierons les membres de sa famille, bien sûr le responsable de son organisation. Jacques Bell nous a quittés le 30 août dernier. Vivant et travaillant dans le Sud-Ouest, sa passion pour l'océan l'avait amené à s'engager en 1990 auprès de Surf Rider, Fondation Europe, ONG dédiée à la protection de la mer, du littoral et de ses usagers. Membre du conseil d'administration de Surf Rider depuis 1997, dont il fut secrétaire général, puis vice-président en 2012, nommé membre du conseil en 2010 au groupe Environnement et Nature. Il était vice-président de la section des affaires européennes et internationales depuis 2015, pour laquelle il avait présenté l'avis sur la politique européenne de transport maritime au regard des enjeux de développement durable et des engagements climat. Il était également membre suppléant de la délégation à l'outre-mer, dont il avait été précédemment membre. Jacques Bell avait également participé aux travaux de la section de l'éducation, de la culture et de la communication. Il avait également été membre de la section de l'environnement pour laquelle il avait été rapporteur en 2012 de l'avis intitulé « De la gestion préventive des risques environnementaux, la sécurité des plateformes pétrolières en mer ». J'ai adressé en votre nom les condoléances du Conseil à sa famille et nous avons été représentés à ses obsèques par Michel Badret en tant que vice-président du bureau. J'ai aussi à vous faire part du décès de M. Louis Blanc, ouvrier métallurgiste. Il a beaucoup contribué à la création de Force ouvrière dès 1947, secrétaire du syndicat FO de la régie Renault en 1955. Il initia et signa un accord inaugurant la troisième semaine de congés payés et la première caisse de retraite complémentaire des ouvriers. En 1962, il intégra le commissariat à l'énergie atomique, dont il devint le secrétaire national FO, et créa en 1975 l'Union nationale des syndicats de l'énergie et des industries. Secrétaire général adjoint de la Fédération de la chimie FO durant presque 20 ans, il mena toutes les négociations des conventions collectives dans les branches et participa à de nombreuses négociations interprofessionnelles. Nommé membre du Conseil de 82 à 86 au groupe CGT FO, il participa aux travaux de la section de l'industrie et du commerce, ainsi qu'à ceux de la section du travail et des relations professionnelles. Il fut ensuite vice-président de la section du travail. Louis Blanc était chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Georges Beauvérand de la Loyère, ingénieur des travaux publics, il a travaillé au sein des grands groupes de travaux publics engagés en politique. Proche du président Valéry Giscard d'Estaing, Georges de la Loyère fut trésorier national de l'UDF, conseiller régional de Basse-Normandie, maire adjoint de la commune de Montreuil-sur-Lauzon en 1983. Il est resté conseiller municipal depuis 110 discontinués. Il fut également membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en 2004. Président de l'autorité de contrôle commune de Schengen en 2007, nommé membre du Conseil de 1999 à 2010 au groupe Personnalités qualifiées. Il participa aux travaux de 4 sections et de la délégation pour l'Union européenne, dont il fut vice-président. Il y présenta une communication sur la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne et son avenir après 2010, contribution du CESE au rapport de synthèse du 16 européen, membre de la section des finances de 2000 à 2010, il présenta les avis l'euro et le citoyen en 2001, les objectifs de développement du millénaire, quel financement innovant. Il fut également rapporteur des avis, rapport intitulé « Les nécessaires évolutions du financement de l'Union européenne, les perspectives financières de l'Union européenne et quel budget de l'Union européenne au service de la croissance et de l'emploi » en 2007. Georges de la Loyère fut également membre de la section de l'agriculture, membre de la section des économies régionales et de l'aménagement du territoire et membre de la section des questions économiques générales et de la conjoncture. Il était chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Jean-Claude Bury, ancien secrétaire confédéral de la CFDT, il fut secrétaire général de l'Union régionale interprofessionnelle CFDT Picardie, vice-président du Conseil économique et social régional, président de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Amiens et de l'URCAM Picardie, secrétaire général de l'Union régionale des retraités de la Somme.
Nommé membre du Conseil de 1989 à 2004 au groupe de la CFDT, il était vice-président de la section des économies régionales et de l'aménagement du territoire, pour laquelle il présenta l'avis intitulé « La politique d'aide à la localisation des activités dans les zones de conversion », puis l'avis sur l'avant-projet de loi d'orientation pour l'aménagement durable du territoire. Il fut également rapporteur en avril 2003 de l'avis et rapport « Métropole et structuration du territoire ». Jean-Claude Burry était chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Albin Chalandon. Entré dans la résistance, il participa au combat de la libération de Paris. À la fin de la guerre, il intègre l'inspection générale des finances, fut attaché au cabinet de Léon Blum, président du gouvernement provisoire, puis chargé de mission au cabinet du ministre des Finances, René Mayer, où il se consacre à la réorganisation de l'industrie aéronautique. C'est à cette époque qu'il intègre le Rassemblement du peuple français, dont il devint délégué général à l'action ouvrière et professionnelle. Homme d'affaires, il fonda avec Marcel Dassault la Banque commerciale de Paris qu'il dirigea. Président de l'entreprise de recherche et d'action pétrolière, il fut président directeur général d'EF Aquitaine de 77 à 83. Homme politique, fut notamment député des Hauts-de-Seine, ministre de l'Industrie, ministre de l'Équipement et du Logement et aussi ministre de la Justice, garde des Sceaux de 86 à 88. Membre du Conseil de 64 à 67 au groupe des personnalités Outre-mer et Zone Franc, il participa aux travaux de la section de la conjoncture et du revenu national et de la section des finances du crédit et de la fiscalité, pour laquelle il présenta en 66 le rapport « Le système monétaire international ». Albin Chalandon était grand croix de la Légion d'honneur et décoré de la Croix de guerre 39-45. Monsieur Claude Langlade Demoyen, professeur de sociologie politique et de droit constitutionnel des facultés de droit, fut secrétaire général du groupe Paysan et du Centre démocratique à l'Assemblée nationale en 1951 à 58. Directeur de l'Assemblée des chambres d'agriculture 58-90, nommé membre du Conseil de 74 à 79, puis de 84 à 89, au groupe des personnalités choisies en raison de leurs compétences, il participa aux travaux de la section du travail et des relations professionnelles, de la section des activités productives, de la recherche et de la technologie, et fut également membre de la commission temporaire sur la réforme de l'entreprise. Il fut par ailleurs membre de section, actuellement dénommée personnalité associée de 71 à 72. Claude Langlade Demoyen était commandeur de la Légion d'honneur, grand officier dans l'Ordre national du mérite, commandeur du mérite agricole, officier des arts et des lettres. Monsieur Jacques Boquet, administrateur de société, il fut notamment administrateur du Crédit industriel de Normandie. Il devient en 1995 président honoraire de la Chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie et premier vice-président de l'Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie et quatrième président de la commission développement économique, communication et activités portuaires du Césaire de Haute-Normandie. Jacques Boquet intègre le CESE de 1984 à 1994 au sein du groupe des entreprises privées dont il fut vice-président. Membre de la section des affaires sociales, Jacques Boquet a notamment porté l'avis sur la scolarisation des enfants d'immigrés. En 1994, Jacques Boquet était officier de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite. Je vous propose de respecter une minute de silence. Je vous remercie. Chers amis, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour une plénière, alors je ne vais pas dire totalement complète, un certain nombre d'entre vous sont évidemment toujours à distance, mais c'est quand même avec beaucoup de plaisir que nous retrouverons pour cette séance plénière. Et c'est aussi avec beaucoup d'émotion que je tiens à saluer Hubert Brun, qui présidait l'amicale des anciennes conseillères et conseillers du CESE et qui a démissionné de ses responsabilités pour raisons personnelles.
Je tiens publiquement à le remercier pour tout le travail indispensable qu'il a mené à la tête de l'Amicale, Amicale pour lequel j'appelle toutes celles et ceux qui quittent le CESE, et nous serons un certain nombre dans ce cas, voilà, à rejoindre, parce que le rôle évidemment de cette Amicale est irremplaçable aux côtés du Conseil. Merci pour tout, cher Hubert, et je vous propose peut-être de l'applaudir. Voilà pour son mandat. Je vous rappelle que cette séance plénière se déroule, donc, je vous le disais, du fait des conditions sanitaires, donc à la fois en présentiel dans l'hémicycle et à distance en visioconférence pour les autres conseillères et conseillers que je salue, bien évidemment. Il m'est donc donné l'occasion aussi d'évoquer les conditions sanitaires dans lesquelles nous sommes, et je vous confirme que nous maintenons ce dispositif en place, qui avait été mis en place avant les vacances. Donc c'est le port du masque, évidemment, sauf si l'on est seul dans son bureau, le respect de la distanciation physique. Déjà, elle est mise bien sûr à votre disposition à tous les endroits un peu stratégiques de croisement, sauf évidemment pour les plénières, à l'instar des assemblées parlementaires plénières. Les réunions se tiennent en semi-présentiel, car il n'est pas possible évidemment d'imposer à tous les membres d'être présents. De nouvelles salles sont d'ailleurs en cours de déploiement et d'équipement en visioconférence. Les procédures d'isolement en cas de suspicion de cas contact doivent être strictement respectées. La désinfection des locaux est régulière et une salle de restauration supplémentaire a été mise à disposition afin de respecter la nécessaire distance de sécurité au self. Cette séance plénière est particulière à plusieurs titres puisqu'il s'agit de la première séance plénière du CESE qui se déroule sans Hervé Le Trionnaire, notre chef de séance, parti à la retraite ce début septembre après 39 ans de bons et loyaux services pour le Conseil. Les circonstances sanitaires n'ont pas encore permis que nous puissions le saluer à la juste valeur de son engagement pour le CESE, ce sera fait. Nous souhaitons donc une pleine réussite à Julien Cousson qui assure cette lourde responsabilité par intérim. Je souhaite aussi vous informer de la démission de M. Gérard Aschieri, démissionnaire du CESE à compter du 10 juin 2020. Il est remplacé par Mme Bernadette Groison. Mme Bernadette Groison est affectée à la section de l'éducation, de la culture, de la communication et à la délégation à la prospective, à l'évaluation des politiques publiques. Nous lui souhaitons la bienvenue. Je voudrais vous faire part d'un certain nombre d'informations. Au cours de la réunion du mardi 1er septembre, le bureau a désigné Mme Anne Gauthier, groupe de l'agriculture, en tant que membre titulaire. Monsieur Jean-Yves Dagès, groupe de l'agriculture, membre suppléant, pour représenter le CESE au sein du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles. J'ai renouvelé par ailleurs le mandat de Madame Agnès Peuplin en qualité de titulaire et désigné Monsieur Christophe Grison en remplacement de Monsieur Jean-Louis Joseph en qualité de suppléant pour me représenter au sein de la Commission nationale de la de santé et d'environnement. J'ai également désigné Mme Pascale Coton en remplacement de M. Éric Legros pour me représenter au sein du Collège chargé d'assister le défenseur des droits en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant. Enfin, j'ai proposé M. Jean Grosset en remplacement de Mme Sylvie Brunet pour me représenter au sein du Conseil d'administration de l'Association française pour l'Organisation internationale du travail. Par lettre en date du 10 août 2020, le Premier ministre a de nouveau saisi le CESE pour avis sur le projet de loi relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Un projet de loi sur ce sujet avait déjà donné lieu à une saisine gouvernementale le 29 janvier 2020 et un avis du Conseil rapporté par M. Olivier Munier et Mme Marie Trélucane au nom de la section des affaires européennes et internationales avait été adopté à l'unanimité lors de la séance plénière du 26 février dernier. Toutefois, ce projet de loi ayant été significativement modifié et enrichi depuis cette date, une nouvelle délibération du CESE a été demandée par le Premier ministre. Le gouvernement souhaitant disposer de l'avis du Conseil au début du mois de septembre, la procédure simplifiée prévue par l'article 23 du règlement intérieur s'est imposée. L'avis de suite, préparé par les mêmes rapporteurs au nom de la section des affaires européennes et internationales, a donc été officiellement
transmis au Premier ministre le 3 septembre dernier. Au cours du 1er septembre, le Bureau a confié à la section du travail et de l'emploi la préparation d'un projet d'avis intitulé « Les métiers de service à domicile, métiers du lien social ». À la section des affaires européennes et internationales, la préparation d'un projet de résolution en vue du prochain sommet de la francophonie. Ce projet de résolution sera examiné lors de l'Assemblée plénière du mardi 12 janvier 2021. Européenne et internationale, une version actualisée de la saisine d'initiative intitulée « Pour une stratégie d'investissement direct étranger en France ». Soutenable et responsable. Notre consulté en urgence a confié à la section de l'environnement la préparation d'un projet climatique. Pour tenir compte de l'actualité immédiate et notamment du projet de loi sur ce sujet en cours de préparation par le gouvernement, de la perspective et à l'évaluation des politiques publiques, la programmation des présentations en assemblée plénière le mardi 24 novembre prochain des études intitulées « Études sur la méthode d'analyse des controverses au sein du CESE, quelle conception des politiques publiques pour accompagner les transitions en cours et à venir ». Ces présentations pourraient être suivies d'un débat d'actualité si les conditions sanitaires le permettent. Comme vous le savez, à la demande du Bureau, le groupe programme présidé par Michel Chassan a élaboré un programme de travail tenant compte des travaux déjà engagés dans les formations de travail, mais aussi de l'actualité née par exemple de la crise sanitaire qui nous frappe et de ses conséquences. Ce programme de travail a été présenté au Bureau, puis aux présidents et présidents de formations de travail qui en ont largement débattu. Les gouvernances la semaine passée, nous avons réétudié ce programme qui vous sera diffusé mardi prochain à l'issue du Bureau. En effet, il était indispensable que nous menions une réflexion sur notre travail d'ici à la fin de notre mandature, qui nous pourra aller, je vous le rappelle, au-delà du 1er juin 2021. Ce programme de travail nécessitera la mobilisation de toutes et de tous. Il est dense, cohérent, il s'inscrit dans la ligne des axes stratégiques de mandature que nous avons voté en début de notre mandature et qui nous engage. Cette fin de mandature pour ces 7 prochains mois sera une fin de mandature intense, donc, où nous serons mobilisés jusqu'à la dernière minute, car nous le devons. Nous le devons à notre mandat, nous le devons à notre pays, car les crises qu'il devra affronter nécessiteront l'engagement de tous. Nous le devons à la démocratie qui nécessite d'être renforcée. Et ce renforcement de notre démocratie, j'ai la conviction absolue que le projet de réforme du CESE en est l'un des éléments. Comme vous le savez, le projet de réforme, sous forme de projet de loi organique, donc de rang constitutionnel, a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale le jeudi 17 septembre. Et ce, et cela mérite vraiment d'être souligné, à une majorité très large, rassemblant la plupart des formations politiques rassemblées représentés à l'Assemblée. Il s'agit pour le CESE, pour notre action à tous, d'un succès. Ce succès était déjà perceptible dans les débats au sein de la Commission des lois, où les échanges visaient à répondre à des interrogations de fond, à provoquer le débat, et non à être à charge, comme cela avait été le cas lors de la première discussion du projet de réforme constitutionnelle de 2018. Cette atmosphère positive est due au travail de tous et je souhaite en remercier les artisans, car non seulement cette atmosphère était perceptible, mais par ailleurs, la compréhension de ce qu'est le CESE par les principaux acteurs, au premier rang desquels la présidente de la Commission des lois, Mme Yaël Braun-Pivet, le rapporteur du texte, M. Erwan Balanant, le garde des Sceaux lui-même, ainsi que le ministre en charge des relations avec le Parlement, Marc Fesneau, était elle aussi très perceptible. Tout d'abord, les grands principes de la réforme que vous connaissez sont bien entendu maintenus. Le CESE est reconnu comme le Conseil en capacité d'accueillir la participation citoyenne. Le CESE, par subrogation, peut être consulté par le Premier ministre en lieu et place
de différentes instances, excepté celles comprises dans le champ de l'article 1 du Code du travail, ou celles traitant des compétences des collectivités locales ou territoriales. Après le vote en première lecture, quels sont les points les plus saillants de l'évolution du texte ? Tout d'abord, le CESE, et c'est un point nouveau, peut être saisi par 60 députés et 60 ou 60 sénateurs, à l'instar du Premier ministre et des présidents des assemblées parlementaires. Le CESE pourra aussi être saisi par le biais d'une pétition numérique rassemblant 150 000 signataires. Lorsque le CESE associe les citoyens à l'un de ses travaux, la représentation doit être équilibrée entre les territoires et le paritaire. La représentation du Conseil doit assurer une représentation équilibrée des territoires de la République, notamment des Outre-mer. 6 mois avant la fin de mandature du CESE, un comité composé de 3 députés, 3 sénateurs, 3 membres du CESE, un représentant de la Cour des comptes et du Conseil d'État sera en charge de proposer des évolutions sociologiques de la composition du Conseil. Les sections du CESE s'appellent commissions. Le CESE devra se doter d'un code déontologique et d'un déontologue désigné par le bureau sur proposition du président. La liste des frais de mandat sera arrêtée par le bureau pour la part de l'indemnité représentative de frais. Les membres du CESE devront remettre au président du CESE un rapport annuel, rapport qui sera rendu public. Comme vous le voyez, l'Assemblée a enrichi le texte. Cet enrichissement concerne 3 points principaux. L'accès aux pétitions, que les parlementaires désirent ouvrir plus largement que ce n'était le cas dans le projet initial. Cela est positif, mais nous devons veiller à ne pas être submergés, ce qui, a priori, pour des chiffres similaires, n'a pas eu l'air d'être le cas pour le Sénat ou l'Assemblée nationale. La répartition équilibrée des territoires, autant j'ai toujours indiqué qu'il me semblait indispensable que l'Outre-mer figure, comme cela a été dans les premiers projets 2017-2018, autant je pense que l'obligation de représentation équilibrée des territoires est une erreur pour le CESE, qui n'a pas vocation à représenter les territoires, rôle du Sénat. Par ailleurs, comment définissons-nous une répartition équilibrée dans un groupe de 2, 3 ou 4 personnes ? Le renforcement de la déontologie du CESE, les questeurs, le bureau partage mon sentiment positif sur ce point. Comme vous vous en souvenez, dès le début de la mandature, nous avons travaillé sur ce sujet et même rencontré l'Assemblée nationale, puis le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette évolution est indispensable. Le seul point de vigilance que nous devons avoir est la reconnaissance de la spécificité du CESE composée de représentants d'organisations qui défendent des intérêts. Bien entendu, le texte va encore bouger. La discussion au Sénat sera très importante. Des présidents de groupe ont été reçus d'ailleurs ce matin. D'autres sont en ce moment même auditionnés encore au Sénat. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas pu être présents pour cette séance plénière. Je souhaite que le Conseil conserve sa cohérence dans le cadre de cette discussion, cohérence qui a été remarquée au-delà de quelques amendements transmis en direct. Si possible, quand nous pouvons l'éviter, c'est mieux. Cette réforme est pour le Conseil un moment très particulier. Il inscrit la participation citoyenne dans nos responsabilités et par là même dans les textes constitutionnels. Par ailleurs, le rôle du Conseil est accru, sa place dans le fonctionnement des institutions affirmée. Pour moi, cette réforme importante pour le Conseil sera importante demain pour les institutions et pour le fonctionnement de notre démocratie par le biais d'un meilleur éclairage des pouvoirs publics par la société civile organisée, augmentée de la participation citoyenne. Cette participation citoyenne, dont l'un des moments forts des mois passés fut la Convention citoyenne pour le climat, donne lieu à un suivi de ses préconisations. C'est ce que nous faisons en ce moment même. Il est assuré en particulier évidemment par l'association des 150 qui a demandé au CESE de l'accompagner dans cette démarche essentielle, car c'est bien le suivi du devenir des préconisations qui crédibilise la démarche. Par ailleurs, ce week-end se sont déroulées les Journées européennes du patrimoine et pour la 4e année consécutive, je souhaite remercier l'artisan infatigable auditionné à 7h au Sénat, Jean Grosset, qui se dépense sans compter pour la réussite de cette opération, où le CESE, et pas seulement son architecture, sont présentés à celles et ceux qui viennent nous rendre visite. À ces remerciements, je désire associer les conseillères et conseillers, ainsi que les agents, qui durant 2 jours ont été présents aux côtés des visiteurs, faisant preuve de grande pédagogie et rencontrant cette année un accueil largement plus positif que les années précédentes. Comme quoi, notre action, à tous, finit par imprégner les esprits. Demain soir et jeudi se dérouleront 2 événements importants au CESE dans le cadre de notre action de partenariat, mémoire et vigilance.
Une initiative tout d'abord autour de l'exposition « La fin du système concentrationnaire, le retour à la liberté des déportés ». Elle est prévue le 23 septembre à l'issue de la séance plénière au CESE. Le jeudi 24 septembre, le CESE accueillera deux autres événements dans le cadre de ce partenariat. Premier événement, une journée d'études sur la thématique « Femmes dans la déportation, transmettre d'hier à aujourd'hui, actualité de la recherche, histoire singulière et défis contemporains des femmes dans la déportation ». Deuxième sujet, accueil du lancement de l'ouvrage, le livre des 9000 déportés de France de Mittelbau-Dora, camp de concentration et d'extermination par le travail. Je vous invite bien sûr à y assister. Ce partenariat fait pour moi partie de notre devoir du conseil, du devoir de chacune et chacun des conseillers. Les témoins des horreurs de la Shoah disparaissent les uns après les autres. Nous avons eu l'honneur d'en accueillir trois l'an passé et depuis, l'un d'entre eux nous a quittés. Ces témoins se sont fait un devoir de transmettre ce qu'ils avaient vu, enduré, comment, pourquoi. Ce devoir de mémoire doit être relevé. J'estime que nous devons, nous représentants de la société civile, organiser, faire partie de ceux qui doivent transmettre le flambeau d'une mémoire que nous constatons chaque jour de plus en plus nécessaire. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. François Bayrou, ancien ministre. J'ai l'impression qu'il attend. Alors, Monsieur le ministre, si vous voulez bien prendre place. Au banc du gouvernement, on a le plaisir, je crois qu'on peut l'accueillir, c'est quand même une vraie première. Il va avoir le plaisir de faire devant nous une intervention. On est devant la réactivation du commissariat au plan, avec le haut commissariat au plan. Et puis après, nous aurons bien sûr la présentation de la contribution du CESE au projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Je vous rappelle que c'est un projet d'avis présenté par Mme Sylviane Lejeune, rapporteure, au nom de la section des activités économiques, qui est présidée par Mme Delphine Lalu. Voilà pour les informations. Monsieur le haut-commissaire au plan, cher François Bayrou, je vais dire tout d'abord vous souhaiter la bienvenue dans notre conseil, dont l'une des responsabilités que lui ont conféré les textes, c'est de traiter du temps long. Votre responsabilité étant de lutter contre la dictature de l'instant. Le CESE, troisième assemblée constitutionnelle, consultative de la République, et le commissariat au plan ont des liens très forts. Liens issus de la guerre, liens issus de la reconstruction, reconstruction avant tout politique. Cette reconstruction passée par la définition d'un avenir pour notre pays, cette reconstruction passée par l'association de toutes les forces vives à la définition de cet avenir et qui était évidemment indispensable hier, mais qui me paraît aujourd'hui être une urgence. En effet, chaque jour qui passe nous montre en France, comme ailleurs, l'ardente nécessité de proposer aux citoyens des réflexions sur leur avenir, sur celui de leurs enfants, sur celui de la nation, car une nation a le droit de savoir où elle va. Sans perspective d'avenir, sans établissement d'une hiérarchie des urgences et des importances, nous tombons effectivement dans cette dictature de l'instant. Encore aggravée, bien sûr, par l'accélération de l'histoire, l'accélération de la communication, doublée d'une accélération technologique, l'accélération en fait des faux espoirs et des fausses nouvelles. Chaque jour qui passe nous montre combien il est important d'associer le plus grand nombre à l'élaboration des politiques publiques. Et c'est afin de répondre à cette nécessaire association que le CESE va mettre en œuvre sur sa proposition une réforme fondamentale dans les semaines à venir. Réforme lui permettant une meilleure association des citoyens par le biais de la participation citoyenne. Réforme indispensable lui permettant une meilleure participation de la société civile organisée à l'élaboration des politiques publiques. Cette société civile organisée, ce sont des dizaines de millions de citoyens actifs, engagés au quotidien dans une action bénévole indispensable, où bien souvent ils mettent en œuvre des politiques publiques au service du public. La parole de ces organisations, associations, syndicats de salariés, d'entrepreneurs est donc indispensable. Elle est surtout d'une grande valeur. Elle est d'une grande valeur car elle apporte ce qu'ici nous appelons l'expertise d'usage. Celle-ci est irremplaçable et a été durant des années étroitement associée au commissariat au plan. Les domaines de réflexion du CESE, c'était le nom du CESE de l'époque, et du commissariat général au plan ont été très proches.
Les deux institutions ont mené de concert des travaux de prospective et d'évaluation. Par exemple, le deuxième plan de développement économique et social promulgué en 1956 marquait une ouverture sur la société civile et établissait une relation étroite avec le Conseil économique et social. Ces relations se sont traduites par l'émergence au sein du CESE de commissions d'études. Par ailleurs, de nombreux membres du CESE siégeaient à la fois dans les instances successives du commissariat général au plan et du CESE. Ce sont ainsi 106 conseillers de notre conseil qui siégèrent dans les commissions thématiques du commissariat général au plan. Enfin, les avis du commissariat général au plan ont été systématiquement soumis au CESE pour approbation. En effet, l'article 70 de la Constitution de 1958 dispose que tout plan ou projet de loi de programme à caractère économique ou social est soumis pour avis au CESE. C'est devenu aujourd'hui à caractère économique, social ou environnemental. Cette disposition est reprise par l'article 2 de l'ordonnance portant loi organique pour le CESE. En 1974, une commission spéciale du plan est créée au sein du Conseil économique et social. Les décrets d'organisation du CESE la définissent ainsi. Une commission spéciale du plan prépare les avis et les rapports concernant le plan et l'ensemble des problèmes de planification. Cette commission spéciale comprend le président ou un délégué permanent de chacune des sections, une représentation de chacun des groupes, pour permettre au Conseil de faire connaître au gouvernement son avis sur l'exécution des plans. Le gouvernement adresse chaque année ainsi au Conseil le rapport prévu par la loi de 82 portant réforme de la planification après qu'il ait été déposé au Parlement. Et même la commission spéciale du plan du CESE pouvait tenir des réunions communes avec les présidents des comités économiques sociaux régionaux ou leurs représentants afin d'étudier les aspects régionaux de la planification et d'examiner ainsi la réalisation des contrats de plan État-région. Alors, pardonnez ces retours en arrière, mais il me semblait nécessaire de remettre l'action qui est la nôtre, qui a été la nôtre, dans une perspective, mais aussi afin que dès maintenant, nous puissions réfléchir à la suite des travaux que nous allons proposer. En effet, dès votre nomination, monsieur le haut-commissaire, vous avez publiquement fait part de votre désir d'associer le CESE. Et je vous en ai remercié lors de notre réunion de travail que nous avons tenue ensemble la semaine dernière. Le CESE est sensible à l'attention que vous lui portez en lui réservant votre première intervention publique dans ce cadre institutionnel. Il s'agit là d'un geste important, fondateur d'un travail partagé. Vous m'avez indiqué, monsieur le haut-commissaire, vouloir aller vite. Je partage bien sûr votre sentiment d'urgence, même si, comme je l'ai dit, nous sommes l'Assemblée du temps long. En effet, la situation de notre pays, le concert planétaire, les désordres climatiques, sanitaires, les crises économiques et sociales qui s'annoncent, les révolutions technologiques qui arrivent, les inquiétudes de nos concitoyens le nécessitent. Le tout dans un contexte, ne nous le cachons pas, de crise des démocraties, voire de la démocratie, et la désaffection par nos concitoyens des urnes en est un hélas une illustration dont on pourrait se passer. Le Conseil va vous entendre, et d'ores et déjà, je vous propose que d'ici 15 jours, nous puissions nous retrouver lors d'une réunion de travail rassemblant le bureau du CESE et les présidentes et présidents de formation de travail afin que le Conseil puisse vous proposer une méthode rapide, complète, efficace, tenant compte de nos spécificités et de nos travaux récents qui, je le pense, peuvent être pour vous l'une source d'inspiration et de réflexion. À ce propos, permettez-moi de vous remettre trois documents. Alors, on va vous les porter. Le premier est la liste des avis votés par le Conseil durant cette mandature et son programme de travail pour les mois à venir. Le second est le rapport annuel sur l'état de la France, un document très important pour le Conseil, document à destination du Premier ministre et à la réalisation duquel nous astreignent d'ailleurs les textes. C'est la seule saisine obligatoire que doit rendre le CESE. Le troisième est un avis voté avec la participation de citoyens tirés au sort aux côtés d'une commission du CESE intitulée « Génération nouvelle ». Car c'est bien de cela dont nous parlons, l'avenir pour ces générations nouvelles. Il s'agit là, comme le disait le général de Gaulle, d'une ardente obligation. Monsieur le haut-commissaire, vous avez souhaité intervenir en tout premier devant le CESE, mais vous avez aussi souhaité réserver au CESE la primaire de la lettre de mission que le président de la République vous a adressée ce matin même. C'est un nouveau signe de votre volonté de travail partagé. Je vais la faire distribuer immédiatement auprès de tous nos conseillers. Voilà, monsieur le commissaire, je vous remercie bien sûr de votre attention et puis je vais vous inviter à gagner la tribune pour prendre la parole.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les conseillers, je suis doublement ému de me retrouver à cette tribune, dans ce magnifique hémicycle. À dire vrai, il y a 25 ans que je ne suis pas venu à cette tribune, mais ce sont les tribulations de la vie politique. Et c'est au lendemain même des obsèques de Georges de la Loyère que nous avons accompagné hier à sa dernière demeure après un accident qui lui a ôté la vie. Et comme il a siégé longtemps sur ces bancs, j'ai une pensée pour lui. Et je suis donc très heureux de me trouver devant vous pour un exercice qui n'a pas eu lieu depuis longtemps, mais qui prend aujourd'hui une importance nouvelle. Voir la nation se poser en amont des décisions publiques les questions mêmes dont dépend son avenir, questions stratégiques de long terme, à 10, 20 ou 30 ans, les traiter dans une démarche de dialogue entre toutes les forces professionnelles, scientifiques, techniques, sociales, associatives et civiques qui la composent, et proposer aussi simplement que possible des options cohérentes pour y répondre, telle est, vous l'avez rappelé à l'instant, la vocation même du plan, et telle est la mission que le président de la République a voulu lui confier en le faisant renaître. La présentation que j'ai souhaité faire devant vous de la méthode et de l'agenda de travail du commissariat au plan pour les semaines et les mois qui viennent n'est pas due au hasard, on l'a compris en vous écoutant. Elle répond à votre invitation, Monsieur le Président Bernasconi, et elle signifie que pour l'élaboration des analyses et des propositions qui sont la mission que le Président de la République nous a fixée, le Conseil économique, social et environnemental est un interlocuteur et un partenaire naturel et premier. En effet, le commissariat au plan et le Conseil économique et social, à l'époque, sont jumeaux. Ils ont été créés quasi en même temps, en 1946, et au fond, pour poursuivre le même but de voir la nation se fixer des objectifs et des chemins de travail qui lui permettraient de faire face à son avenir. Et puis, vous le savez bien, est réunie ici une somme considérable d'expérience, de connaissances, d'habitude du dialogue social dans les instances de l'État, dans l'entreprise ou dans les associations. Cette somme d'expérience et de connaissances, je pense qu'il n'est pas bon de la laisser, comme elle est trop souvent, en friche, c'est-à-dire peu entendue des décideurs et moins encore du débat public. Surtout au moment où nous devons essayer d'éclairer l'avenir, ou plus exactement d'éclairer, avec ce que nous pouvons deviner de l'avenir, la décision publique et le débat démocratique. Votre conseil n'est pas le seul patrimoine d'intelligence et de compétences que notre vie démocratique laisse un peu inexploitée. Quand je compare l'abondance des rapports, la multiplication des études de toute nature venant du Parlement, de l'Assemblée nationale, du Sénat, du CESE lui-même, de France Stratégique, le bras armé du commissariat au plan et des conseils qui y sont rattachés, les think tanks divers et variés, quand je compare cette abondance avec le peu de résultats et la réalité de l'influence que ce travail et ses compétences ont sur le débat public et parfois même sur la décision publique, j'ai un peu une impression de gâchis. Ces études et ces rapports, ces recherches et ces compétences devraient nourrir dans tous les domaines clés de notre avenir la stratégie de la nation. À partir de tant d'efforts, il devrait revenir à l'intelligence collective de penser l'avenir, le faisable, le possible, le difficile et l'infaisable. Or, cet exercice démocratique de la réflexion du plan a été depuis longtemps abandonné, laissant face à face le pouvoir et le citoyen
dans l'instantané de la décision publique et le plus souvent sans préparation et sans repère préalable. Il me semble que ce refus de stratégie partagée a fait gâcher à notre pays des chances immenses. Je voudrais citer un seul exemple, quasi absolument ignoré. Nous avons été, nous, la France, vous le savez bien, les premiers au monde à penser l'immense changement que le numérique allait offrir à tous. Nous avions pris une avance considérable en équipant d'abord tous les foyers français d'un terminal numérique, c'était, vous vous souvenez, le Minitel, terriblement en avance sur son temps, et ensuite en inventant, par des chercheurs français, les bases du réseau. C'était Louis Pouzin qui était le maître d'œuvre de cette incroyable avancée, les bases du réseau qui allait devenir Internet. Et puis, au moment de l'explosion mondiale de ce nouveau modèle de partage de l'information, nous nous sommes trouvés désespérément dépassés. Un pays pionnier qui n'a pas su prévoir les développements que son génie même avait rendus possibles. Je vais risquer une explication à cette insuffisance. C'est que peu à peu s'est installée l'idée que notre action publique devait s'effacer entièrement devant les initiatives privées. Ce n'est pas moi, vous le comprenez bien, qui vais décrier devant vous l'initiative privée. Je crois à l'entreprise, je crois à l'inventivité, je crois à l'initiative. Je crois que l'on doit les soutenir et les aider autant que l'on peut. Mais je crois que la démocratie devrait permettre la naissance et l'affirmation d'une volonté collective, assise sur l'idée que l'on peut se faire de l'intérêt général. Comme vous le savez, dès que la décision du président de la République a fait renaître le commissariat au plan, dès qu'elle a été annoncée ou même seulement préfigurée, un certain nombre de critiques se sont fait entendre, prétendant qu'il s'agissait d'une idée d'un autre temps, que tout cela sentait furieusement l'après-guerre, que c'était en un mot dépassé et archaïque. Il se trouve que je considère, moi, depuis longtemps, que ce qui est dépassé et archaïque, ce sont les partis pris qui pensent qu'une nation, représentée par un État, n'a pas de légitimité et n'a pas de compétence sur la définition de l'intérêt général, et qu'il suffirait de laisser faire pour que le cap se fixe tout seul, en somme, comme si l'intérêt général n'était autre chose que la somme des intérêts particuliers. Or, on vient de vérifier, au prix d'une évidence aveuglante pendant cette épidémie, et précisément, pour ne prendre qu'un seul exemple, on vient de vérifier en matière pharmaceutique que cette idée méritait d'être corrigée. Les médicaments les plus urgents, les plus nécessaires au traitement des malades les plus en danger, ces médicaments se sont trouvés dans notre pays menacés de rupture d'approvisionnement. On a vu brutalement chez nous, qui nous targuions d'être à la pointe de la médecine et de la recherche pharmaceutique. On a vu manquer les médicaments pour l'anesthésie, et tous les Français ont découvert le rôle du curare, les médicaments utilisés dans la lutte contre le cancer dans les chimiothérapies les plus sensibles, les corticoïdes, les antibiotiques, et même la molécule que tout le monde a dans son armoire à pharmacie, le doliprane ou les assimilés, qui s'appelle le paracétamol. Tous ces médicaments, d'usage vital ou primordial, que pour beaucoup d'entre eux, la France et nos pays européens voisins ont inventés, nous avons découvert que leur production avait été systématiquement délocalisée en Asie, en Inde par exemple, ou en Chine. Et pour un grand pays comme le nôtre, avec une telle tradition médicale acceptée, que soit rompue la chaîne d'approvisionnement en produits aussi indispensables, est proprement scandaleux. Alors on comprend très bien le mécanisme
qui a conduit à cette décision. Puisqu'il s'agissait de produits tombés pour la plupart dans le domaine public, dont la recherche d'une meilleure gestion ou de bénéfices plus conséquents a pu entraîner les responsables de ces compagnies à délocaliser la production de matières pour que les bénéfices puissent être préservés. Et la préoccupation des profits est parfaitement légitime pour une entreprise privée. Mais lorsque les intérêts particuliers contredisent l'intérêt général, alors il y a un devoir de la puissance publique, un devoir de la démocratie de les prendre en charge. C'est proprement une question d'indépendance, de souveraineté et de responsabilité sociale. Il est des domaines vitaux pour la nation, des domaines vitaux pour la société française, des domaines vitaux pour l'Union européenne, car je ne fais pas de différence fondamentale entre les intérêts vitaux de la France et ceux de ses voisins et partenaires. Il est des domaines vitaux qui nécessitent une intervention de l'État, en tout cas une orientation et une incitation de l'État, pour que la vie économique n'en compromette pas l'existence et l'efficacité. Et si l'on veut aller plus loin et regarder de plus près les équilibres internationaux dont nous dépendons, alors on s'apercevra que des menaces brûlantes peuvent compromettre la liberté de choix, l'indépendance de notre pays et des pays partenaires. De ces menaces, notre démocratie et notre action publique ne peuvent pas se détourner. Et c'est tout l'intérêt du plan. Vous avez rappelé, Monsieur le Président, dans ces murs, l'expression « ardente obligation » qui, dans la bouche du fondateur de la Ve République, traduit la vraie nature de l'exercice qu'il confia à Jean Monnet. Naturellement, comme l'a rappelé le président de la République dans la lettre de mission qui vous a été distribuée, le plan ne peut pas être, comme il était après la guerre, normatif, chiffré, une injonction à laquelle on attendait que toute la société obéisse. Et d'ailleurs, disons la vérité, il ne l'a jamais été. Et Jean Monnet lui-même a souvent expliqué que le plan ne décidait pas, qu'il orientait. Et cela est évidemment d'autant plus vrai aujourd'hui. Mais il n'y a en cela aucune contradiction, car il est plus efficace de convaincre que d'imposer. Il est plus efficace de fédérer les efforts que de donner des ordres qui seront toujours considérés comme abusifs et qui, au bout du compte, ne seront pas suivis. Et au contraire, on peut réunir, fédérer sur des lignes directrices, faire apparaître aux yeux de tous des points de consensus sur l'intérêt général et accepter les points qui font débat, les options différentes, voire antagonistes. La réflexion sur notre avenir commun à horizon de 10, 20 ou 30 ans, elle réunit, ou au moins elle permet des débats plus ouverts. Alors que très souvent, les débats sur la décision immédiate provoquent inéluctablement des affrontements violents. C'est l'avantage du temps long, Monsieur le Président, sur la dictature de l'urgence. Et donc, c'est ce que cette réflexion nouvelle, animée par le nouveau commissariat au plan, se propose de faire. Il s'agit pour moi, dans un temps, vous l'avez dit, où la dictature de l'immédiat, de l'urgence est montée en épingle, des réseaux sociaux qui prennent feu, de l'actualité à tout instant brûlante, il s'agit pour nous, de réenraciner les sujets de long terme dans le débat public, pour qu'ils soient pris en compte par les décideurs au moment de la décision et par les citoyens dans le débat démocratique. C'est précisément ce que nous avons voulu faire en arrêtant la méthode de travail que je me propose de présenter devant vous. Ce n'est pas une méthode de travail pour traîner. Comme je l'ai rappelé au début de cette intervention, les études, souvent passionnantes, souvent savantes et brillantes, sont légion. Mais vous le savez bien, elle s'entasse dans les tiroirs et sur les rayons oubliés des assemblées et des bibliothèques. Je pense qu'il faut traduire la somme de ces études aussi impartialement que possible en questions stratégiques et en dégager les options entre lesquelles les gouvernants et les citoyens auront mieux informé
la liberté et le devoir de choisir. Je viens de prononcer le mot, ma résolution, c'est l'impartialité. Certains pensent qu'on ne peut pas être impartial, qu'on est forcément influencé par son opinion ou sa tendance personnelle. Je plaide le contraire. Pour qu'on sache se détacher de ses préférences, pour établir ensemble des faits incontournables et des nécessités indiscutables. Et si l'on veut bien y réfléchir, cette défense de l'impartialité, ce n'est pas autre chose, dans l'ordre de la connaissance du réel, que le principe de laïcité dans l'ordre des convictions personnelles. Avec la laïcité, on peut croire ou ne pas croire, partager une croyance ou une incroyance, mais cela ne rend pas aveugle et n'empêche pas de vivre avec l'autre, même s'il ne partage pas votre conviction. Eh bien, pour vivre ensemble et choisir notre avenir de concert, il faut pouvoir s'accorder sur des points de réalité qui échappent à l'idéologie, à la philosophie, à la subjectivité. Je disais donc ne pas traîner. Pour ne pas traîner, pour rendre utiles ces études si nombreuses, il faut d'abord dégager les questions cruciales pour notre avenir commun. Ces questions, je vous propose de les poser d'emblée, selon une méthode simple et qui fera appel chaque fois que possible à l'intelligence collective. Nous allons poser ces questions et les formuler. Mais je veux dire que nous n'avons aucune intention de revendiquer un monopole sur le choix des questions, pas davantage que le gouvernement, le Parlement, ne revendiqueront un tel monopole. Les forces politiques, les forces sociales, professionnelles, les associations et les citoyens auront le même droit à formuler des questions, à proposer des questions que nous intégrerons à la réflexion autant que possible en les regroupant. Sur chacune de ces questions, sans perdre de temps, nous établirons une note concise, traitant de l'état des choses et formulant la nécessité stratégique de la question posée. Une telle note prendra en compte les études que j'évoquais à l'instant. Ce sera, pour ainsi dire, une note d'entrée en mêlée. Vous reconnaîtrez la culture rugbystique qu'un certain nombre d'entre nous partageons. Avec des perspectives aussi précises et aussi établies que possible, nous la soumettrons à la discussion, à l'amendement, aux opinions divergentes pendant un temps donné et qui n'excédera pas 2 ou 3 mois. Tous ceux qui se reconnaissent dans cette vocation prospective et stratégique y auront leur place. Les grands organismes, bien sûr, je cite bien au début France Stratégie, dont le concours précieux est assuré, les conseils et organismes qui jugeront des richesses d'expérience et de réflexion qu'ils ont à apporter. Mais parmi nos concitoyens, très nombreux sont ceux qui, à partir de leur expérience, ont réfléchi à l'avenir des secteurs cruciaux que nous allons aborder. Bien sûr, ils auront leur place et leur contribution sera reconnue et organisée. Mais je veux insister en particulier sur les universités et les universitaires. La France est le seul pays au monde qui ne met pas en valeur dans sa réflexion prospective le capital de science et de connaissances, de recherche et de transmission qui est la fonction même de l'université. Le seul pays au monde. Dans l'immense travail que nous entreprenons, je souhaite que les universités librement et les universitaires prennent enfin leur place. Il faut que notre pays et notre vie démocratique réapprennent à aller vite, au rythme du temps qui est le nôtre, et pour éviter le danger, à mes yeux, le plus grave, que nos concitoyens ne pensent une fois de plus que tout cela, c'est pour les endormir, ces efforts forcément dans le sable. Au demeurant, sauf lorsqu'il s'agit d'études scientifiques et de recherches fondamentales, il est bien rare que la réponse que vous ne sauriez pas formuler en 3 mois, vous en soyez davantage maître en 2 ans. Il se trouve que les grandes décisions sur les grands sujets se prennent généralement en quelques heures et sous l'empire de la nécessité,
Il suffit donc de saisir l'enjeu et de le formuler sans timidité. Il se trouve que les grandes questions se formulent généralement simplement. J'ai dégagé 25 questions qui m'apparaissent stratégiques pour notre pays et notre Union européenne. Ces questions, à l'invitation du président de la République, je vous propose de les regrouper en trois grands chapitres. Le premier chapitre, je dirais le premier horizon, réunit les questions qui touchent à la vitalité de notre pays. Il est dans l'histoire des peuples qui perdent l'envie de vivre. Et cela se traduit dans tous les domaines de leur existence. Et donc le premier des buts autour desquels doit s'organiser une réflexion véritablement stratégique, c'est celui de la vitalité de notre pays, du désir et de sa volonté de conquérir et de maîtriser la vie qui est la nôtre, la vie de ses concitoyens. S'agissant de vie, la situation du monde étant ce qu'elle est aujourd'hui, mais on se le top, ainsi dit, avec la préservation ou le rétablissement de l'équilibre climatique de la planète. Nous sommes devant une obligation qui a été de rendre possible les équilibres devraient le climat et la biodiversité. C'est par exemple de gaz à effet de serre, les questions de production d'énergie, de véritables bilans carbone de chacune des voies de production ont été largement étudiées. Pour autant, il existe des questions de cohérence et de faisabilité dans les différents discours des pays européens, par exemple. Tous ces projets méritent d'être interrogés dans la perspective de l'accord de Paris et aussi des réalités telles qu'on peut les décrire aujourd'hui pour un horizon de 10, 20 ou 30 ans. Et de la même manière, la question de savoir où conduisent vraiment les politiques suivies par les différentes grandes régions du monde et leurs conséquences sur notre patrimoine commun d'air, d'eau, de terre, d'espèces vivantes. Tout cela mérite des analyses et des choix stratégiques dans lesquels la France, leader, si elle le veut, de l'Union européenne, doit jouer un rôle majeur. Le deuxième élément de vitalité, c'est la dynamique propre de la population française. Il est en Europe et dans le monde des catastrophes démographiques à l'œuvre. Jusqu'à maintenant, la France, parmi les pays développés, apparaissait comme une heureuse exception. À telle enseigne que la démographie, s'agissant des personnes déjà nées, la démographie est à peu près une science exacte, à telle enseigne que les projections prévoyaient que la France doublerait l'Allemagne peu après 2040. C'est demain, peu après 2040. C'est dans 20 ans. Et que la France pourrait donc être, dans 20 ans, le premier pays par la population et par la jeunesse du continent européen. Or, cet élan vital paraît s'éroder. Depuis quelques années, la France n'assure plus le renouvellement des générations. Alors, faut-il tenter de retrouver notre natalité positive et comment le faire ? Vous voyez toutes les implications sociales sur la situation des femmes, des familles, sur la garde des enfants, pour que soit reconnu cet immense enjeu d'attractivité et d'influence que représente la bonne santé démographique. Le troisième élément de vitalité touche bien entendu à l'économie, à la recherche, à l'innovation, à la place des créateurs d'entreprises et des développeurs d'entreprises. Votre Assemblée connaît mieux que d'autres ce paradoxe. Nous sommes le premier pays européen pour la création d'entreprises. Nous sommes un pays de premier plan pour les très grandes entreprises d'ambition mondiale.
Mais c'est entre les deux qu'est le grand manque des entreprises intermédiaires françaises. Et connaissant mieux que d'autres cette réalité, vous connaissez aussi mieux que d'autres les implications des politiques fiscales, impôts de production en particulier, des dispositions réglementaires si souvent lourdes, le poids des normes et des injonctions parfois paradoxales sur la destinée des entreprises au moment même où elles devraient prendre leur envol. Vous connaissez aussi très bien les obstacles multipliés au moment de la transmission des entreprises et qui obèrent leur avenir. Autre paradoxe, nous sommes un pays de recherche fondamentale souvent brillante, mais trop souvent, de nos jours, les chercheurs s'en vont. Et en même temps, nous sommes en retard du point de vue des brevets, des développements, des transferts technologiques. Les explications existent, même si certains diront qu'elles sont parfois difficiles à entendre. En tout cas, cette réflexion mérite d'être conduite et que des orientations pour les années et les décennies qui viennent puissent être dégagées. Il n'y a pas d'entreprise sans capitaux. Il n'y a pas d'entreprise sans main-d'œuvre formée. Il n'y a pas d'entreprise sans lien avec la recherche et l'innovation. Chacun de ces éléments de qualité du tissu entrepreneurial devra faire l'objet d'options, d'analyses et d'options clairement définies. C'est là encore très important des métiers. Depuis des années, des études approfondies ont été menées, notamment au sein de France Stratégie, pour rendre lisible par les entreprises et les travailleurs, y compris les futurs travailleurs, car je pense particulièrement aux jeunes au moment de leur entrée sur le marché du travail, rendre lisible le paysage que les évolutions techniques et numériques vont nécessairement recomposer. Avant la fin de cette année, je me propose de présenter aux Français le résultat de cette étude approfondie. Que sait-on précisément des métiers tels qu'ils seront et quelles voies nouvelles s'ouvriront pour ceux qui entreront sur le marché du travail ou seront obligés de réfléchir à de nouvelles orientations? Je souhaite que l'on puisse aborder sans crainte une autre question qui tient à la vitalité de notre pays, généralement ou assez généralement éludée. Je souhaite qu'on puisse aborder sans crainte les questions d'identité. Les sujets qui tiennent à la dynamique interne des pays et des peuples sont étroitement liés aux dynamiques des sociétés, à leur psychologie collective. Il est des peuples en dépression. Il est des peuples en découragement. Il est des peuples, au contraire, en mouvement, liés par un ciment de convictions communes qui les soude et les porte. Ce sont, je le sais bien, des questions délicates et sensibles. Mais précisément, les questions délicates et sensibles méritent d'être abordées à froid plutôt qu'à chaud, quand le cœur des crises, le cœur des névroses collectives, devient bouillant et explosif. Le malaise des peuples, confrontés à ce qu'ils ressentent comme le rouleau compresseur de la mondialisation. Ce malaise est présent sur toute la planète. Et comme en compensation de cette menace, la revendication identitaire s'exprime, flambe et peut parfois prendre un tour extrême. Si nous devons assumer cette question, et je crois que nous devons le faire sans crainte, quelles orientations nouvelles, quelles affirmations et quelles règles devrons-nous choisir pour que nous choisissions librement de vivre ensemble, tels que nous sommes et tels que nous voulons apparaître aux yeux du monde? Je ne veux pas éluder, dans l'énoncé de cette question d'identité, le sujet de la langue française. Langue française, notre trésor national, et celui de centaines de millions de femmes et d'hommes sur la planète. Chiffre en constante progression. Puis-je dire avec vous et devant vous,
qu'en matière de langue, pour refuser l'abaissement, en particulier dans toutes les instances européennes et internationales, il y a un combat à mener et que ce combat tient à notre avenir même. De la même manière, nous sommes inquiets sur la vitalité de la démocratie et de l'action publique. Une grande inquiétude plane sur les démocraties. À l'intérieur, elles font face à un doute profond qui porte sur l'efficacité et la légitimité de la démocratie représentative. À l'extérieur, alors qu'elle croyait être pour toute l'humanité, il y a peu de temps encore, un modèle universel et indépassable, envié par tous les peuples, elle découvre qu'elles sont en concurrence avec des modèles autoritaires, peu soucieux de liberté personnelle, adossés à un hyper-contrôle technologique et poussés par d'immenses puissances économiques et innovatrices. Enfin, nous avons la responsabilité de nos outre-mer, ce grand large qui est une part de notre identité et de notre histoire française, qui nous met directement au contact de la planète et du sixième continent, le continent des océans lointains. Nous devons accepter de penser à plus long terme que ne peuvent le faire les gouvernants qui ont tant d'urgences ultramarines sur les bras. Son développement, son irruption dans la modernité, la formation des plus jeunes générations, sa créativité, une recherche et une recherche universitaire adaptée à sa nature même, sa culture artistique et linguistique et son identité. Voilà pour le premier horizon, celui de la vitalité de notre peuple, auquel j'ai raccroché, vous le voyez, plusieurs questions centrales et, disons-le, généralement éludées. Deuxième horizon, c'est celui de l'indépendance. C'est un horizon politique et économique lié, bien sûr, à la question de la vitalité de notre pays et de notre Union européenne. Des faits majeurs et inquiétants apparaissent qui demandent de construire une réponse politique et économique. La première question est celle des productions vitales. Je l'ai dit, il est des productions cruciales pour la vie de nos sociétés, mais pour lesquelles nous sommes devenus entièrement dépendants de partenaires lointains et dont nous avons vérifié, par exemple pendant la crise que j'évoquais, que les approvisionnements peuvent se trouver interrompus par des décisions ou des événements qui nous échappent. J'ai déjà cité la pharmacie, des molécules de toute première importance dont l'usage est proprement vital pour un certain nombre de malades, se sont trouvés menacés d'interruption d'approvisionnement. Le plan de relocalisation sur le territoire de l'Union que le président de la République a initié relève de l'urgence. Le négliger ou le retarder, ce serait non-assistance à personne en danger et renoncement à notre souveraineté. Mais la pharmacie n'est pas le seul domaine où notre indépendance se trouve ainsi ouvertement en cause. Nous sommes des sociétés qui vivent tout entières autour de l'électronique. Or, nous sommes, pour la production des composants électroniques, nous sommes, qu'il s'agisse d'électronique grand public ou d'électronique plus spécialisée et plus pointue, presque entièrement dépendants de l'Extrême-Orient. Cette situation est d'autant plus dommageable, quelle que soit la production vitale. Situation scandaleuse et insupportable, que l'argument bateau qui a servi au fond de justification pendant des décennies, argument qui paraissait de bon sens, justification à cette politique de translation des productions vitales vers l'Orient lointain, n'a plus aujourd'hui, à mes yeux, de réelle validité. Parce que le sujet, c'était, nous disait-on, le coût de la main-d'œuvre. Or, sur l'ensemble du continent asiatique,
devenue usine presque exclusive du monde. Le coût de la main-d'œuvre a augmenté régulièrement, tendant à se rapprocher de nos propres standards, et de surcroît, la part de la main-d'œuvre dans le coût de ces produits finis est devenue epsilonesque. Ces produits suivent des processus presque entièrement automatisés, en salle blanche, par des techniciens de haute qualité professionnelle. Alors qu'est-ce qui justifie que nous ne puissions envisager ces productions sur notre sol, sinon une ambiance générale de renoncement? Car il faut mesurer que, laissant partir ces productions, nous avons abandonné en même temps la technicité, l'expérience, l'innovation, la recherche qui l'accompagnent quotidiennement. Nous ne perdons pas seulement des emplois, nous ne perdons pas seulement la garantie des approvisionnements, mais nous perdons toute la compétence et tout le savoir-faire qui va avec le développement de ces produits. C'est une perte, si j'ose dire, pour le présent, et c'est une perte encore plus grave pour l'avenir. Alors certains s'en accommodent, baissent les bras et nous proposent de nous spécialiser purement et simplement dans la commercialisation de ces produits vitaux, dans le trading, comme on dit. Qui ne voit où conduit cet abandon? Les chiffres du commerce extérieur de la France ces dernières décennies, et je crains, du commerce extérieur de l'Union européenne bientôt, traduisent en termes crus le bilan de cette défaite historique. Nous ne parviendrons pas seuls à redresser la barre. C'est une politique de grand effort d'investissement, grand effort intellectuel, profonde fermeté politique qui doit être conduite entre les pays européens intéressés par la question même de leur indépendance. Et pourtant, c'est possible. Nous avons conduit une telle politique avec Galileo. Tous nos GPS, civils et militaires, celui de votre voiture et celui des blindés et celui des avions, étaient, sans que nul ou presque ne s'en aperçoive, entièrement dépendant du réseau de satellites américains qui lui était dédié. Et qui ne voit que lorsqu'on est entièrement dépendant, celui qui tient la clé du signal vous tient, évidemment, à sa dépendance, si ce n'est à sa merci. Eh bien, prenant en compte cette nécessité et cette urgence, sans que les opinions publiques en soient directement informées. Mais les dirigeants européens ont, en 15 ans, pensé, construit, lancé les satellites de notre propre réseau européen au prix d'un grand effort partagé. Et Galileo, pour moi, un certain nombre de productions militaires aussi, c'est la preuve que si nous voulons, nous pouvons définir ce que sont les productions vitales, décider en commun des stratégies convenables à leur réimplantation sur notre sol. Voilà qui relève de la proposition d'un plan stratégique au sens propre du terme. La question agricole est elle aussi une question d'indépendance. Aujourd'hui, l'enjeu de produire pour 1,5 milliard d'Européens semble maîtrisé du point de vue agronomique et industriel, mais deux questions brûlantes se posent. L'enjeu, ça n'est pas seulement les 500 millions de consommateurs européens, il est des milliards d'hommes qui ont besoin d'être nourris, qui ont besoin de nous, et il est même un ou deux de ces milliards d'hommes pour qui la question se pose aujourd'hui encore d'être nourris tout court. Nous pouvons relever ce défi, mais nous devons le relever dans une démarche exemplaire de respect de la terre nourricière, de son équilibre de long terme, de la préservation et de l'amélioration de la qualité agronomique des sols, de la qualité de l'air, de l'eau,
de l'eau et de la biodiversité. Et nous devons le relever, c'est une question incontournable pour nos concitoyens et pour les éleveurs, en respectant aussi la condition des animaux qui, d'une certaine manière, sont avec nous sur la planète, les hôtes de cette grande maison. Cela exige un grand effort de recherche et de maîtrise de nos interventions, dont nul ne pourra se détourner dans l'avenir. Je suis sûr que dans cet effort, nous trouverons le concours engagé des éleveurs, dont j'en atteste pour l'immense majorité d'entre eux, permettez-moi de le rappeler, la vie entière est dédiée aux soins, à l'amélioration constante de la condition des animaux qui leur sont confiés. Vous ne serez pas étonné que, poursuivant l'énumération de ces questions d'indépendance, je formule la question de la dette publique, qui, ces dernières années, théoriquement et pratiquement, a profondément changé de nature, et avec laquelle nous allons devoir vivre tant les mutations que j'évoque et les conséquences immédiates de la crise requièrent d'investissements et d'interventions de soutien. Selon quelle philosophie et quel mécanisme économique et monétaire rendre la dette soutenable ? Voilà une question à laquelle beaucoup d'entre nous ont consacré des réflexions durant les deux dernières décennies. La pandémie Covid devrait nous avoir alertés sur la question de l'alerte de notre pays face aux grands risques. De quelle manière, après avoir fait la revue des expériences étrangères, et en n'hésitant pas à penser en pratique pour notre société, pouvons-nous imaginer une organisation de l'alerte ? Je vais prendre un exemple ancien pour éviter des polémiques. Combien de vies et combien de milliards aurions-nous pu préserver si une telle autorité indépendante avait, dès les premiers éléments d'inquiétude vérifiés, alerté efficacement notre société sur les risques de l'amiante, par exemple. Et je pourrais énumérer comme ça un certain nombre de vagues de déstabilisation et de malheurs qui probablement auraient pu être écartées. Et je n'ai pas besoin de rappeler que l'épidémie virale qu'on appelle Covid aujourd'hui était prévue quasiment mot à mot dans le livre blanc de la Défense dès 2008. Simplement, les autorités chargées de l'alerte ayant gouvernement après gouvernement, et je ne jette la pierre à personne tant l'actualité est brûlante, ayant peu repris ces avertissements, nous nous sommes trouvés devant l'extrême difficulté que nous traversons aujourd'hui. Le troisième horizon, c'est celui du projet de société fondé sur la justice. La France est un pays singulier, et heureusement, nous sommes un peuple et une nation qui ne se pense pas sans idéal. Sans idéal pour lui-même et pour le monde. Cet idéal, il est contenu tout entier dans son projet républicain, dans sa devise, projet de société autant que revendication personnelle des citoyens et de leurs familles. Cet idéal, s'il faut le décrire en un seul mot, est un idéal de justice. Or, dans notre société, les inégalités se creusent. Et la conscience des inégalités grandit. Nos concitoyens en souffrent, pour un grand nombre d'entre eux en sont exaspérés. Ils éprouvent un profond sentiment d'injustice subie. Et vous savez bien que ces dernières années, ils ont pu l'exprimer de nombreuses manières. Permettez-moi de rappeler que la première de ces inégalités est celle qui affecte l'éducation. La dernière fois que j'étais à cette tribune, c'était pour défendre un projet de loi d'orientation et de programmation de l'éducation nationale. Car tout commence dans l'éducation
ou avec l'éducation. Je sais bien que parmi vous, beaucoup partageront ce que je vais dire maintenant. Il y a eu un temps, pas si lointain, dans la société française, où le chemin du parcours de promotion personnelle, le chemin du parcours de promotion sociale, du parcours de réussite, était balisé. Vous tous, vous avez connu ce temps, le parcours de la réussite, d'où qu'on vienne, de quelques quartiers, de quelques milieux qu'on vienne, ce parcours, pour le résumer en une phrase, était simple, il suffisait de bien travailler à l'école. De sorte que l'école était en même temps le viatique, le patrimoine de connaissances et de comportements dont on se dotait pour la vie, et le chemin qui permettait de faire sa vie. Eh bien, c'est cela qui a disparu. Au moins, le deuxième terme, le chemin qui permettait de progresser dans sa vie. Parce que sous la pression de la « massification », entre guillemets, ce qui n'est pas un joli mot, établi au nom de l'idée généreuse qu'on allait garantir le même bagage à tout le monde, que personne ne devait en être exclu. La fonction de l'école, de chemin vers la réussite, s'est dissoute. Et pour le dire comme je le ressens, plus personne, dans les milieux normaux, dans les milieux populaires, dans les milieux non initiés, plus personne ne connaît le chemin, plus personne n'a la carte et la boussole. Sauf évidemment les milieux privilégiés ou favorisés qui connaissent les meilleures stratégies, les meilleures filières, les établissements réputés, de sorte que pour la plupart, le seul élément qui commande le destin de chacun, c'est la question du milieu où l'on est né. Et les fractures sociales et culturelles sont devenues telles, c'est l'effet des temps, et il est vrai que les travaux pédagogiques peinent à suivre, ces fractures sont devenues telles que le capital de connaissances et de savoir-faire lui-même se trouve amoindri. Sans compter les si importantes questions de fondamentaux, de contenu, de pédagogie que pose avec beaucoup de constance le ministre de l'Éducation nationale. La France est un grand pays scientifique, mais les vocations se font plus rares. La maîtrise de la langue, et d'abord de l'écriture et de la lecture, a été considérablement favorisée ces toutes dernières années par l'effort national voulu par le gouvernement du dédoublement des classes dans les secteurs d'éducation prioritaire. Mais le rôle qui pourrait être majeur des sciences, comme on dit, cognitives, et des technologies de l'information dans la transmission des connaissances, ce rôle n'a peut-être pas encore eu toute la place ou la réussite qui devrait être la sienne. Par exemple, et cela a été la passion de toute une partie de ma vie, par exemple, nous n'avons pas trouvé encore aujourd'hui, à ma connaissance, de vraies méthodes de réapprentissage de la lecture. Lorsque la vie a fait que vous en avez été privé, que vous avez manqué le tournant à ce moment de l'enfance où, hélas, si souvent tout se joue. Or, sans lecture, ce sont d'immenses difficultés pour la vie même. L'éducation, c'est la justice en acte. La santé aussi est affaire de justice. Nous vivons dans un pays qui est probablement le plus avancé au monde en matière d'accès et d'accès gratuit à l'ensemble du système médical. Que ce soit en temps normal ou en temps critique de graves maladies ou d'urgences. Et cependant, nous vivons tous les jours l'exigence d'une meilleure organisation des soins, l'exigence si difficile à construire en France d'une organisation efficace de la prévention, de l'accompagnement, du suivi des malades pour éviter la surconsommation ou la sous-consommation de consultations et de prescriptions.
Dans le travail que nous présenterons sur la santé, permettez-moi un focus particulier sur la santé malade, sur la santé mentale et la psychiatrie dans notre pays, qui se sent si souvent abandonnée, sauf dans les moments les plus tragiques. Et bien entendu, la solidarité active doit accompagner l'âge avancé, la question de la dépendance, celle de l'accompagnement, nous le savons bien, c'est une génération tout entière qui va devoir prendre en charge une réflexion et une action auxquelles on hésite assez souvent à se confronter, tant les enjeux sociaux et financiers sont impressionnants. Mais là comme ailleurs, cela n'empêche pas d'élaborer une stratégie et de présenter des options différentes peut-être entre elles, mais qui seront un des moyens de faire face. Vous comprendrez que, à la fin de ces paragraphes sur la justice, je traite de ce qui est pour moi une grande affaire de justice, c'est l'aménagement du territoire. Vous comprendrez qu'élu local, provincial, comme on dit, de la province métropolitaine la plus éloignée de Paris, élu des Pyrénées et du Béarn, je sois particulièrement sensible à ce sujet. Si on voulait ne connaître la France qu'au travers des médias, des sujets de reportage, d'articles ou d'émissions, si on voulait en découvrir la vie démocratique ou sociale au travers de ces manifestations, on en ferait un tableau stupéfiant. On verrait le pari politique et médiatique, en tout peut-être combien ? 100 000 personnes, et je suis très large, réunies sur quelques hectares de territoire au bord de la Seine, pesées peut-être 10 fois, 100 fois, peut-être 1000 fois plus lourd que le reste de la France. Reste de la France, dans lequel j'inclus les quartiers parisiens périphériques, les banlieues, l'ensemble des autres régions du pays, métropolitains ou évidemment ultramarins. Et ça fait quelque 67 autres millions de personnes. 67 millions contre moins de 100 000. Et vous voyez bien que c'est un rapport de 1 à 1000 qui est ainsi établi sur la reconnaissance, en tout cas médiatique, de ce qu'est la vie réelle du pays par rapport à ce qui se passe à Paris. Tel est l'héritage français. Cet abandon psychologique et moral de la province, il est pour moi étroitement apparenté à l'abandon de la base des citoyens par le prétendu sommet. Et il est inacceptable. Il est d'autant plus inacceptable en ce moment où notre génération vient de redécouvrir les difficultés et les handicaps des grandes concentrations urbaines et les possibilités de rencontre et de travail à distance qu'offrent les technologies nouvelles. Et ça me permet de saluer les conseillères et conseillers qui nous suivent par visioconférence interposée, puisqu'il n'y a, en raison des contraintes sanitaires, que la moitié de vos sièges qui sont remplis. Il est donc important de répondre à deux cahiers des charges que je voudrais définir rapidement avec vous en matière d'aménagement du territoire. D'abord, une stratégie pensée et agissante de réenracinement des centres de décision et de réflexion, précisément en province. Parce que si cette province ne peut pas participer directement aux grandes décisions, relever les grands défis qui se proposent au pays, alors elle est territoire de seconde zone. Il faut que chacun se persuade que tous les Français, où qu'ils se trouvent, ont un droit légitime de regard et d'orientation sur l'avenir de leur pays. Et deuxième cahier des charges, nous devons indiquer clairement quel est le droit élémentaire d'accès aux services publics sociaux et aussi aux services privés de nos concitoyens, où qu'ils se trouvent, aussi loin qu'ils se trouvent sur le territoire national, et quel est le périmètre acceptable et souhaitable pour que l'on puisse vivre, même si on n'est pas directement participant des grands centres urbains ou des moyens centres urbains. Et je pense évidemment au monde rural.
Et ce qui vaut pour la province vaut évidemment d'autant plus avec les adaptations géographiques nécessaires pour l'outre-mer. Ce qui me permet de poser l'avant-dernière question de justice. Et elle n'est pas la plus facile, mais elle est pour moi la plus urgente. Nous avons à vivre un très grand nombre d'évolutions qui sont liées aux ruptures d'équilibre de développement entre, on va dire, le Nord et l'Occident avancés et le Sud, et je pense en particulier à l'Afrique. Si nous ne parvenons pas à définir, et j'espère que nous pourrons proposer des orientations novatrices, si nous ne parvenons pas à définir, nous Français et nous Européens, une politique de développement qui tienne la route pour ces régions du monde qui sont si souvent, à la fois du point de vue de leur organisation, du point de vue de leur économie, en déshérence, si nous ne parvenons pas à définir cette politique de développement, alors nous rencontrerons des drames inéluctables. Pas besoin d'évoquer devant vous l'idée que l'immigration, ce n'est pas des gens qui font du tourisme par plaisir. Ce sont, hélas, des jeunes et des familles qui fuient des situations qu'ils considèrent comme inacceptables et qui se retrouvent à l'intérieur de nos frontières, disons le mot, sans solution. Sans d'ailleurs que la puissance publique ait de solution non plus. Et donc, il n'est qu'une réponse imaginable à moyen terme, et j'espère à plus court terme, si on arrive à raccourcir le délai. C'est une vraie politique de développement pour ces régions du monde si souvent abandonnées. Enfin, parlant de justice, parmi les services publics, je ne l'oublie pas, le service public de la justice, en proie aujourd'hui à bien des interrogations, et sur lesquelles, si les professionnels l'acceptent, il sera tout aussi légitime que nous dessinions ou que nous essayions de dessiner ensemble un horizon accessible, je dis à horizon de 10 ans, 20 ans, 30 ans, ce qui pourra peut-être aider aux rendez-vous qui sont devant le gouvernement et devant l'institution. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, je n'ai pas tout traité. Je fais à l'avance amende honorable pour n'avoir pas, dans cet exposé de première étape, pris en compte l'exhaustivité des enjeux. J'ai fait mon possible pour en balayer un grand nombre. Je veux répéter ceci. Tous les acteurs de notre jeu démocratique, et vous en êtes au premier chef, tous les citoyens qui le souhaiteront ont droit de proposer des questions stratégiques à traiter. Nous les prendrons en compte, en les regroupant s'il le faut. Dès le mois d'octobre, un site internet, plan.fr, permettra de recevoir des contributions, des demandes de questions et de communiquer les documents de notre travail commun. J'aborde ce travail, je sais que vous me croirez, avec une conscience aiguë de son immensité. Le futur, c'est un labyrinthe. Ses relations avec le présent relèvent de l'architecte Dédale que les Grecs nous proposaient. La tâche paraît sans mesure, elle paraît herculéenne. Mais je crois que dans cette forêt vierge, on peut tracer des chemins, placer des repères qui nous permettront de nous orienter. Sommes-nous assurés de réussir ? Certainement pas. Mais ne pas essayer, ce serait être, en sens inverse, absolument condamné à l'échec dans cette tâche de citoyen à la recherche, comme disait Marc Sangnier, de conscience et de responsabilité. Nous ferons des erreurs. Si nous faisons des erreurs, nous les corrigerons. Nous ne serons en concurrence avec personne pour la meilleure des raisons. Nous ne cherchons pas du pouvoir, nous cherchons seulement à être utiles.
Jean Monnet disait, il disait « je », mais je vais dire « nous ». Nous ne prenons la place de personne. Nous ne sommes supérieurs à personne. Nous occupons un territoire jusqu'à présent sans nom et sans maître. Nous sommes là. Et nous avons choisi d'être là pour aider, aider précisément, en ce moment de doute et de grandes menaces, aider notre pays à trouver son chemin de vitalité, d'indépendance et de justice. Je vous remercie. Monsieur le haut-commissaire, je crois que vous avez... on a un large panorama des sujets qui nous attendent, importants. Pour ceux qui étaient inquiets pour la prochaine mandature, s'ils se demandaient de quoi serait remplie cette prochaine mandature, ils n'ont plus à s'interroger. Ceci dit, pour être plus sérieux, je pense que le sujet, vous avez adressé tout le cadre. Il est important que nous y réfléchissions, évidemment, ensemble, pour voir comment on peut traiter ces différents sujets, comment le Conseil, à sa place, peut apporter évidemment son éclairage et porter ses avis. Il m'a semblé que vous souhaitiez peut-être avoir trois questions. On n'a pas énormément de temps. Alors, ce que je vais faire, je vais vous proposer que les plus rapides, les deux, trois questions les plus rapides qui m'arrivent sur mon écran, on les prenne. Et puis, soyez rassurés, d'ici 15 jours, si vous en êtes d'accord, nous allons de nouveau nous retrouver avec la gouvernance du CESE. Et nous aurons à ce moment-là un échange peut-être plus direct et plus concret, de façon à voir comment nous allons pouvoir travailler, bien sûr, ensemble et collectivement. Alors, j'ai déjà une demande de prise de parole. Ça doit être Madame Marie-Claire Caïto, du groupe de la CGT. Voilà, je vais donc lui passer la parole. Si d'autres souhaitent, je prendrai juste les premiers. Hein. Donc, c'est les plus rapides qui auront droit à prendre la parole. Marie-Claire. Oui, merci. Votre discours résonne avec des analyses et des revendications qui sont portées par mon organisation, la CGT, ce qui me fait dire d'ailleurs qu'on devrait donner plus souvent la parole à celles et ceux qui font le travail. Donc nous revendiquons, nous, la mise en place d'une planification industrielle, énergétique, sociale et écologique qui sera animée par une puissance publique exigeante en termes de contrôle des financements publics. Vous avez parlé également des nombreux écrits qui existaient déjà sur les sujets. Nous avons été ici au CESE à l'initiative d'un avis sur l'industrie qui s'articule autour de 5 piliers, l'environnement, le travail, les territoires, l'Europe et l'État stratège. Et donc, j'aimerais bien avoir le grand honneur de vous le présenter. Et d'ailleurs, nous disions en introduction de cet avis que nous ne résoudrons pas les problèmes d'aujourd'hui avec les modes de pensée qui les ont générés. Donc, relocaliser l'industrie, c'est parler du travail, de son sens, de sa finalité. Donc c'est avant tout pour nous un grand enjeu démocratique pour aller vers un projet collectif partagé. Vous avez parlé d'une ambiance générale de renoncement. J'avais envie de dire, je vais vous rassurer, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'état d'esprit de toutes celles et ceux qui luttent pour empêcher les fermetures de leur entreprise. Donc on ne va pas renoncer. Et pour terminer avec ma question, comment allez-vous articuler votre travail sur ces différents sujets avec toutes les composantes de la société que vous souhaitez associer, le CESE, bien entendu, mais aussi les représentants des travailleurs, les organisations syndicales. Je vous remercie. Alors, monsieur le haut-commissaire. À la question précise, réponse précise, mais je voudrais vous dire auparavant que je ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté sur l'idée de planification, en tout cas telle que je la conçois, et telle que, dans sa lettre de mission, le président de la République l'a définie. La planification, ça n'est pas la prise de contrôle de la société par le pouvoir politique. La planification, telle que nous la concevons aujourd'hui en 2020, c'est la volonté que nous nous mettions d'accord sur les grands enjeux, les grands risques, les grandes chances, sur ce que nous pouvons discerner de l'avenir et que nous puissions proposer des orientations entre lesquelles le débat démocratique choisira. Ça n'est pas une injonction décidée par le haut. C'est la recherche d'un cadre commun, partagé, de réflexion et de décision. Je pense qu'il est utile que nous réfléchissions au terme de cette définition.
Quant à la question de savoir comment je vais travailler, j'envisage de travailler avec les forces sociales, démocratiques, j'ai indiqué que j'allais proposer aux grandes organisations syndicales et professionnelles de désigner auprès de moi chacune un Sherpa permanent et de former ainsi une petite équipe de concertation en continu avec des représentants d'organisations qui se connaîtront. Et on retrouvera ainsi une partie de l'atmosphère du plan de Jean Monnet qui vivait comme ça, y compris en faisant des soufflés au fromage pour partager. Alors, je ne promets pas qu'on partagera tous les jours des soufflés au fromage, mais je vais demander ça à chacune des organisations. Merci. J'ai une question de M. Jacques Landriot. Oui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, pouvez-vous nous éclairer sur la mise en place opérationnelle de vos propositions ? Je m'explique. Le commissariat au plan, c'est le temps long. La politique et le temps court. Comment marier les deux ? Chaque fois qu'on me pose cette question, pour des raisons que je n'avouerai pas devant cette Assemblée, j'ai envie de répondre facilement. Non, c'est évidemment une articulation. Quel est mon espoir ? Mon espoir, c'est que les sujets que nous ferons apparaître, parce que nous les porterons devant l'opinion publique, ces sujets serviront de cadre et d'incitation à l'évolution de la pensée exécutive ou législative, du temps court, comme vous dites. C'est un espoir. Mais c'est la raison pour laquelle, permettez-moi de le rappeler, je me suis toujours battu pour faire renaître un commissariat au plan auprès du président de la République. J'ai écrit ça dans beaucoup de livres. Et je vous prie de croire qu'au moment où j'écrivais ces livres, ça n'était pas dans la fonction de commissaire au plan que je me projetais, mais dans une autre. Et donc, j'ai toujours défendu cette idée. J'ai toujours pensé que le monde des experts, de la recherche, est un monde infiniment respectable et savant et qui travaille beaucoup, mais qu'il manque très souvent une voix pour porter auprès des citoyens les questions qu'ils font naître et qu'ils soulèvent. Encore une fois, si vous allez à la bibliothèque du CESE, vous allez en voir des mètres cubes d'études et de rapports, de toutes origines. Moi, je crois qu'on peut faire naître les questions de manière incisive, sans que on passe des mois et des années à les approfondir. Ce que Charles Péguy appelait la méthode du chemin de fer de grande ceinture. Je pense qu'on peut aller droit au but. Parce que la plupart des questions, j'en ai décrit quelques-unes dans cette intervention, la plupart des questions sont des questions au cœur desquelles on peut aller très vite. Si on s'y met ensemble, on va trouver la formulation des questions. Pas forcément les réponses, mais la formulation des questions. Et voilà pourquoi j'espère que se trouvera sans beaucoup de difficultés l'articulation entre le temps long, le temps moyen et le temps court, qui est en effet, hélas, trop souvent celui de la politique. Merci. J'ai Anne-Marie Couder. Marie Couder qui s'est allumée, c'est Dominique Gillier. Donc on va démarrer par Dominique Gillier, après on refera Marie Couder. Voilà, puis après on arrêtera parce que là, après on a l'habit à passer. Donc on poursuivra ce délai. J'ai une liste impressionnante de personnes qui me sollicitent. Je ne peux pas passer tout le conseil, mais on va poursuivre cet échange plus évidemment la prochaine fois. Dominique Gillier. Voilà, d'abord merci monsieur le commissaire de votre présence qui manifeste à l'égard de notre assemblée toute l'attention que vous lui portez, et à travers elle au corps intermédiaire. Ça coïncide d'ailleurs avec les termes de votre lettre de mission qui nous invite à contribuer à vos travaux, et ça rejoint complètement ce souci du temps long qui est celui de notre Assemblée depuis très longtemps, malheureusement avec beaucoup de difficultés. On aurait aimé que le projet de loi organique
le disent explicitement, l'exposé des motifs le dit, mais pas la loi en tant que telle. Alors, ma question est très simple, et c'est plutôt une question de méthode. Vous avez évoqué votre souci de consulter le plus largement possible, y compris notre Assemblée. Mais est-ce que vous concevez qu'il puisse y avoir entre le CESE et le haut-commissaire au plan et à la prospective une réciprocité d'interpellation et finalement un mode de coopération pour des productions qui nous associent? Alors, c'est ma question précise. Et la deuxième, un peu annexe, on a parfois tenté des coopérations avec France Stratégie. Il faut bien reconnaître que ça n'a pas très bien fonctionné. Donc, est-ce que sous votre égide, on peut espérer, à travers votre commissariat, bien entendu, développer un partenariat plus prononcé avec France Stratégie? Alors, la réponse est oui, j'espère, aux deux questions. Vous avez compris que je dis oui et j'espère, que c'est donc une réponse en deux volets. Liberté d'interpellation, bien entendu, je suis, en raison de l'expérience d'engagement qui est la mienne, un des êtres les plus interpellables qu'on puisse rencontrer. Et donc, les interpellations qui seront les vôtres seront naturellement suivies des faits, autant que je puisse, parce que je ne vais être entouré que d'une toute petite équipe de collaborateurs. Jean Monnet avait fait beaucoup l'éloge de ces commandos, et j'ai toute ma vie pensé que c'était probablement un des moyens d'action les plus sérieux. D'abord, c'est un des moyens d'action les plus frugaux, et je tire beaucoup à la frugalité, et c'est un des moyens les plus efficaces, parce que des volontés conjuguées, ça peut aller très loin. Donc j'espère qu'on va relever ces défis. Et ensuite, oui, j'userai de toute l'influence que je peux pour que vous travailliez avec France Stratégie. Tout ça, c'est le même travail. Je l'ai dit, le plan et l'héritage du plan et le Conseil économique et social sont jumeaux, le président l'a dit avant moi. Et donc, j'ai tout à fait l'intention de respecter et de soutenir cette gémellité. Merci. Alors, j'ai Anne-Marie Coudert, puis je prendrai une dernière question sur mon prompteur. Dans l'ordre, c'est Madame Lila Lebas. Je serai très, très brève, parce que finalement, c'était une question de méthode que je voulais également poser, ainsi que vient de le faire mon collègue Dominique Gillier. Mais ce que je voulais vous dire aussi, monsieur le haut-commissaire, c'est que ces trois termes que vous avez employés dans votre exposé, qui est « vitalité », indépendance et justice, ça répond à nos préoccupations pour nous, ici, au sein du CESE. Ça recouvre un certain nombre de questions que vous avez évoquées. Et c'est vrai que ce que nous pouvons constater, c'est l'immensité de la tâche. Et donc, si on veut faire notre travail correctement, nous ne sommes pas une assemblée d'experts, ici. Nous sommes la société civile organisée, nous représentons des organisations, nous sommes des professionnels dans différents secteurs. Nous pouvons donc apporter non seulement notre attachement à cette organisation qu'est le CESE et toute sa richesse par sa diversité, mais nous n'y arriverons que si justement nous sommes très rigoureux dans la méthode, parce que les sujets sont trop nombreux, ils nous interpellent tous, parce que au fur et à mesure des avis que nous avons pu émettre, la plupart de ces sujets ont été déjà, je ne dirais pas traités, ils ont été vus d'un point de vue de l'actualité souvent, puisque nous étions saisis, et avec le regret de ne pas pouvoir nous inscrire dans le long terme. Et cette préoccupation de s'inscrire dans le long terme, certes les questions sont connues, mais je pense aussi qu'il y a un certain nombre d'interrogations que nous ne pourrons aborder véritablement que si nous nous donnons les moyens et également un peu de temps. Donc des notes, oui bien sûr, on peut faire des avis, on peut faire des notes, mais je pense que la manière dont vous animerez ce haut commissariat au plan
Et je partage avec vous votre sentiment, c'est plus à travers des commandos qu'on peut aller à la fois vite, mais aller loin. Donc je pense qu'au sein du CESE, on est tout à fait prêt à le faire. C'est, cette reconnaissance que vous nous apportez aujourd'hui du CESE est évidemment essentielle. Donc un questionnement sur la méthode la plus efficace pour pouvoir répondre à une ambition aussi grande. Alors, je partage absolument votre regard et aussi le défi que représente la dimension des problèmes et le nombre des problèmes à aborder. Mais avant d'être des experts, avant d'être des professionnels, avant d'être en situation de responsabilité, nous sommes toutes et tous des citoyens. Or, chacune des 25 questions que j'ai énoncées là, chacune de ces 25 questions, c'est une question de citoyen, et ce sont toutes ensemble les questions qui font le cadre de la réflexion civique, qui font le cadre de, j'allais dire, de la réflexion de père de famille, de travailleur dans une entreprise, de métallo à l'usine, de comptable chez un expert comptable. Ce sont des questions dont aucun d'entre nous ne peut s'abstraire. Et si on ne peut pas s'en abstraire, alors ma réponse est qu'il faut les traiter. Alors on les traitera peut-être imparfaitement, je sais très bien, mais je préfère un travail imparfait à pas de travail du tout. C'est aussi le cas dans de très grandes entreprises, j'imagine. Voilà. Donc nous partageons aussi ce point de vue. Merci. Allez, une dernière question, c'est Bertrand Colli. Son micro, voilà, ça y est, il est allumé. Monsieur le commissaire, ma question est également une question de méthode. À l'heure où le CESE apparaît, devient celui de la participation citoyenne, vous avez fini votre discours en annonçant un site, une plateforme de participation citoyenne. La question, c'était comment, pour que le citoyen s'y retrouve, articuler ce que vous allez mener avec le lieu qui devient ici celui de la participation citoyenne, le CESE. Bon, on va faire autant que possible les choses ensemble. Hein, il faut s'entraider. C'est plus nécessaire que jamais. Donc vous aurez ici des experts et des moyens. Et nous avons des besoins. Et si les besoins sont énoncés, j'imagine que les experts et les moyens aideront à y répondre. Vous voyez bien quel énorme enjeu il y a derrière tout ça. C'est que jusqu'à maintenant, le monde de la démocratie, de la décision publique était partagée en deux. Il y avait ceux qui parlaient, et il y avait ceux qui écoutaient plus ou moins. Je pense depuis longtemps que la plus grande question des pays comme les nôtres, c'est la rupture, l'abîme de rupture qu'il y a entre la base de la société, ceux qui travaillent ou qui ne travaillent pas, ceux qui sont en formation, ceux qui sont à la retraite, ceux qui sont devant leur écran, et le prétendu sommet. Et vous entendez les guillemets que je mets dans sommet, les guillemets que je mets dans l'affirmation d'élite politique, médiatique, et je mets des guillemets à tout ça, que les citoyens voient comme un monde qui leur est extérieur, qu'ils voient comme sourd à leurs attentes, et qu'ils ressentent en réalité maintenant comme hostile. Pour moi, il n'y a pas de drame plus important. La démocratie, ça commence quand on se sent également citoyen, quand on se sent égaux devant la responsabilité, égaux devant la légitimité. Or,
l'inflexion de ces derniers temps vers, en effet, des processus de participation au débat et à la décision. C'est une inflexion très importante. Tout le monde aura compris, parce que s'il est arrivé aux uns et aux autres de m'écouter, je ne suis pas très favorable au tirage au sort. Parce que, au fond, je citais tout à l'heure Marc Sangnier, la démocratie, disait-il, c'est l'organisation sociale qui porte à son plus haut la conscience et la responsabilité du citoyen. Et je ne vois pas dans le tirage au sort conscience et responsabilité. Mais peut-être y a-t-il d'autres moyens. Peut-être y a-t-il des consultations. Peut-être y a-t-il l'invitation à des expériences différentes à venir participer. Et tout cela, vous allez, si la loi, quand la loi sera votée, vous allez en avoir la charge. Ben, c'est drôlement bien, ça veut dire qu'on va devoir travailler ensemble et c'est aussi une des raisons, je ne vous le dissimule pas, pour lesquelles je suis à cette tribune. Grand enjeu, et sur lesquels il nous revient, d'inventer des voies inédites. Alors je suis très content que nous ayons pu partager cette réflexion. Merci beaucoup. Un grand merci. Nous nous retrouverons très vite alors, pour envisager la suite, monsieur le haut-commissaire. Un grand merci pour cette intervention et de vous être livré au jeu des questions-réponses. Puis-je dire quelque chose ? Avec plaisir. J'ai beaucoup apprécié votre collègue qui vient de s'exprimer parce qu'il a dit « monsieur le commissaire ». J'ai passé mon temps, comme enseignant, à expliquer à mes élèves qu'il ne fallait pas abuser des adjectifs. Alors, je veux bien rechercher parfois de l'altitude, mais le nom suffit comme invocation. Merci beaucoup. Merci, monsieur le commissaire. Je vais passer la parole tout de suite à Delphine Lalue, qui va nous dire quelques mots sur la loi programmation pluriannuelle de la recherche, avant de passer la parole ensuite à Sylviane Lejeune. Delphine, c'est à toi. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général du Conseil, Madame la Rapporteure, chers collègues, nous sommes heureux que le Bureau, dans sa sagesse, ait choisi de maintenir la présentation de ce projet d'avis en ouverture du débat parlementaire. Vous m'entendez mieux ? Merci. J'essaie de rattraper un peu. Donc nous sommes heureux que le Bureau, dans sa sagesse, ait choisi de maintenir la présentation de ce projet d'avis en ouverture du débat parlementaire. Heureux, car depuis le début de la mandature, nous avons tenté de faire œuvre utile. Chaque année, dans le cadre du rapport annuel sur l'état de la France, dès janvier 2020, en proposant une saisine d'initiative, en juin, pour répondre à la saisine gouvernementale. Le CESE a donc pu s'exprimer à de nombreuses reprises sur l'essentiel, c'est-à-dire sur le sous-investissement devenu chronique en matière d'efforts de recherche. Le texte que nous soumettons à votre instruction aujourd'hui approfondit de nombreux aspects. Il a bénéficié d'une relecture par la délégation aux droits des femmes et d'une précieuse contribution de la délégation aux Outre-mer. Je remercie les deux rapporteurs de la délégation qui n'ont pas ménagé leur peine. Permettez-moi, avant de passer la parole à Sylviane Lejeune, notre rapporteure, de saluer les ministres qui nous ont fait l'honneur d'échanger avec la section, les 60 personnes auditionnées, l'ensemble des conseillères et conseillers des deux sections et des deux délégations, leur administration de section, les administrateurs et attachés de groupes qui, eux aussi et elles aussi, n'ont pas ménagé leur peine, les membres du secrétariat général et du cabinet. Un remerciement particulier pour Marine Chevreux, notre administratrice de section, qui rejoint Bercy, sa maison d'origine. Merci pour tout, Marine, je le dis, j'en profite. Merci, Madame la Présidente. Sylviane, Madame la Rapporteure. Ah, j'avais écrit Monsieur le Commissaire au plan, mais il est parti. Donc, Monsieur le Président, chers collègues, chers amis, le monde a basculé dans une crise sanitaire inédite aux conséquences économiques et sociales d'une grande ampleur. Les leçons à tirer de cet épisode brutal et douloureux dont nous ne sommes pas encore sortis sont multiples. Entre autres, la place de la science et de la recherche dans la société est interrogée. Nous avons besoin de science, de connaissances pour affronter les défis multiples et préparer notre avenir.
La loi dont l'examen vient de démarrer à l'Assemblée nationale pose à notre pays une question qui déterminera le rôle qu'entend jouer la France dans un contexte de transformation inédite de l'histoire humaine. Le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche annoncé en février 2019 pour une présentation au Parlement début 2020 était toujours en attente au moment du vote de cet avis le 27 mai dernier dans notre section. Puis, le gouvernement a saisi notre Assemblée le 5 juin sur le titre premier de son projet de loi. Le CESE a répondu à cette saisine gouvernementale avec l'avis présenté et voté lors de la séance plénière du 24 juin dernier. Le présent avis s'inscrit dans la suite des travaux du CESE sur la recherche et l'enseignement supérieur, qui ont fait l'objet de plusieurs avis et rapports, et complète donc l'avis rendu dans le cadre de la saisine gouvernementale. Depuis 2015, la section des activités économiques a quant à elle produit 4 contributions sur l'effort national de recherche dans le cadre du travail du CESE sur le rapport annuel de l'État de la France. Avec l'avis, l'ensemble de nos travaux ont donné lieu, Delphine vient de le préciser, à une soixantaine d'auditions très diverses d'acteurs du monde académique et de la R&D. Depuis le début de la mandature en cours, notre Assemblée a alerté sur la faiblesse de l'engagement de notre pays dans sa recherche publique comme privée, tout en rappelant l'enjeu stratégique crucial qu'elle représente pour relever les défis sociaux et sociétaux nombreux auxquels notre société est confrontée dans un contexte de transition majeure. Certains de ces défis sont décisifs, tels l'urgence posée par le réchauffement climatique. Et depuis, l'épisode sanitaire nous a rappelé notre vulnérabilité et souligné le besoin de recourir à la science pour anticiper et maîtriser les risques. C'est donc très logiquement que nous avons envisagé de contribuer au débat lancé par la LPPR à travers une auto-saisine. Sans épuiser les problématiques d'un dossier très dense, notre avis s'est attaché à traiter 4 thématiques principales qui constituent l'ossature des 4 parties. Le niveau de financement au regard des défis, c'est-à-dire le niveau de notre effort de recherche, les conditions pour assurer la continuité, l'indépendance et la créativité de la recherche, le renforcement de la place de la science dans la société, des pistes pour une relation fructueuse entre recherche et entreprise. À propos des financements, en matière de dépenses de recherche, la France décroche. Notre financement n'est pas à la hauteur. Une première infographie nous donne quelques éléments. Notre pays ne s'est toujours pas donné les moyens de tenir les engagements pris en 2000 dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, investir 3% de son PIB dans la recherche. Nous stagnons à 2,2% depuis le début des années 1990. L'effort de recherche français est passé en dessous de la moyenne des pays membres de l'OCDE au début des années 2000. La France est rétrogradée en 12e position parmi ces pays de l'OCDE, alors qu'elle y occupait la 4e place en 1992. Elle se situe loin du groupe des pays européens leaders, dont l'effort de recherche dépasse l'objectif des 3%. L'écart en matière de recherche se creuse avec les pays les plus ambitieux pour leur recherche. La dépense intérieure de recherche des administrations, la recherche publique, situe la recherche publique, derrière les pays les plus intensifs. Mais cette différence de performance avec des pays comparables tient aussi à la faiblesse des dépenses de la recherche privée. Rappelons que l'objectif des 3% se répartit en 1% pour la recherche publique et 2% pour la recherche privée. Il manque aujourd'hui 6 milliards à la recherche publique pour être au niveau du 1% promis depuis 2 décennies, et ce sont 14 milliards manquants pour atteindre les 2% qui incombent aux entreprises. Pour de nombreux acteurs, investir dans la recherche est une urgence. L'annonce d'une loi de programmation pluriannuelle a suscité à la fois de l'intérêt et de la défiance dans la communauté scientifique, marquée par des rendez-vous nombreux manqués pour la recherche qui ont jalonné les 2 dernières décennies et les réformes successives qui ont modifié en profondeur le fonctionnement du système. À cette occasion, de nombreuses entités ont exprimé leurs attentes. Pour plusieurs d'entre elles, il faudrait un budget supplémentaire d'1 milliard d'euros par an jusqu'à atteindre 1% du PIB. Le comité national du CNRS a quant à lui considéré qu'il fallait augmenter d'au moins 2 milliards d'euros chaque année le budget de la recherche publique jusqu'à ce qu'il atteigne 1% du PIB, ce qui correspond à 6 milliards d'euros d'ici 2022. Je vous propose d'écouter M. Olivier Coutard, président de la conférence des présidents de section du comité national du CNRS.
trois ou quatre sujets. Le premier, c'est le financement, on peut dire la trajectoire de financement de la recherche. Il y a un consensus, un peu, quelle que soit la manière dont on prend le sujet, pour dire qu'il manque 6 milliards par an à peu près pour que la recherche française puisse fonctionner convenablement. Le projet de loi LPPR en discussion au Parlement prévoit notamment de cumuler environ 500 millions d'euros par an pour atteindre 5 milliards supplémentaires en 2030. Il faudrait donc à notre pays 30 ans depuis 1990 pour envisager de s'approcher de l'objectif du seul 1% de la... Depuis 1990, effectivement, on ne bouge pas le niveau de notre dépense de recherche, mais notre repère des 3%, c'est bien 2000. Donc, si on vise d'atteindre 5 milliards supplémentaires en 2030, il faudrait 30 ans à la France pour envisager de s'approcher de l'objectif du seul 1% pour la recherche publique, alors que d'autres pays ont à ce jour dépassé celui des 3% et l'ont revu à la hausse, comme l'Allemagne. Depuis 2016, la section des activités économiques du CESE n'a eu de cesse d'attirer l'attention du gouvernement sur l'urgence d'un sursaut et d'un engagement dans la durée relatif à l'effort de recherche. La crise sanitaire confirme avec force le besoin d'investir dans la recherche. Aussi, le CESE émet-il une première préconisation. Il estime indispensable d'atteindre l'objectif de 3% du PIB tel qu'il était mesuré avant la crise. Il rappelle l'urgence d'un sursaut en faveur de l'investissement public dans la recherche qui doit se traduire sur le plan budgétaire d'ici la fin du quinquennat. D'une part, par l'affectation de moyens à hauteur de 6 milliards d'euros pour atteindre l'objectif de 1% de dépenses publiques dans le PIB, d'autre part, par la mise en œuvre d'une politique qui permettra aux entreprises d'augmenter de 14 milliards d'euros supplémentaires leurs dépenses de recherche d'ici la fin du quinquennat. Au-delà de cette date, la programmation doit permettre à la France de progresser vers le niveau d'investissement des pays les plus en pointe. Investir est une nécessité aussi pour faire face aux défis et conduire les transitions. Aussi, le CESE préconise-t-il que la réponse aux défis, notamment écologiques et numériques, soit pleinement prise en compte dans la stratégie de recherche de notre pays et se traduit sur le plan budgétaire par l'affectation de moyens conséquents. Dans sa deuxième partie, la plus fournie de la vie, le CESE avance à un certain nombre de conditions pour favoriser la continuité, l'indépendance et la créativité du système de recherche. Tout d'abord, il estime qu'investir dans l'université doit être une priorité de la nation. Or, l'état des lieux de ce secteur essentiel est aujourd'hui préoccupant. Nos universités conjuguent plusieurs difficultés dans un contexte de sous-financement chronique. Une augmentation du nombre d'étudiants, 20% depuis 2012, mais cet accroissement n'entraîne pas de dotation budgétaire supplémentaire. Une croyance dans un modèle de grande université visible qui capte l'essentiel des financements au détriment d'un maillage territorial satisfaisant, assurant la même offre de formation partout, avec le développement de concentrations génératrices d'inégalités renforcées sans plus-value attestée pour la recherche. De nombreuses universités n'ont aujourd'hui plus les moyens de réaliser leur mission, permettant notamment de constituer un vivier de futurs scientifiques. Or, la recherche est indissociable de l'enseignement supérieur. Sans budget affecté à l'enseignement supérieur, une partie du budget de la recherche allouée aux universités sera inévitablement absorbée pour payer leurs charges d'enseignement. On compromet la recherche. Nous l'avions souligné le 24 juin. C'est une faiblesse de la loi que les premiers débats en commission de l'Assemblée nationale ne sont pas venus corriger. Si quelques mesures sont prévues dans le plan de relance, elles ne concernent pas le nécessaire renforcement en moyens et en postes des universités. Le CESE insiste sur la nécessité de prendre en compte la mission d'enseignement. Sur cette question, le CESE recommande de redonner toute son attractivité à l'université et pour cela, notre conseil demande que les subventions pour charges de service public soient calculées en tenant compte de la réalité de l'ensemble des besoins. Il faut également renforcer les moyens des laboratoires. Le financement de la recherche par appel à projet est la modalité priorisée que le projet de loi propose non seulement de retenir, mais d'amplifier.
Pourtant, la communauté des chercheurs dénonce la nocivité d'un tel mode de financement. C'est un point dur du débat, il est essentiel, tant il détermine les conditions de la recherche publique. Cette détermination à l'imposer, même avec les atténuations apportées notamment par le relèvement du taux de succès de l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, nourrit les clivages et fait perdre de la crédibilité au message gouvernemental d'une loi qui se voudrait renforcer la recherche. Si les appels à projets peuvent être pertinents lorsqu'ils sont complémentaires des financements de base, ces modalités prépondérantes de financement privilégient la mise en concurrence et la compétition à la coopération. De nombreux effets pervers ont été soulignés dans de très nombreuses auditions. Aujourd'hui, les financements de base s'avèrent insuffisants pour développer la production scientifique, assumer les missions de service public et travailler dans des conditions matérielles permettant de faire face à la compétition internationale. Les chercheurs mettent l'accent sur la nécessité du temps long, on vient d'en parler, et l'importance de chercher sans cesse dans toutes les directions, sans savoir à l'avance quelles vont être et d'où vont venir les avancées majeures. Dans un tel système, comme nous l'indique l'infographie, alors que de nombreuses voix insistent, notamment depuis la pandémie, sur leur utilité, les sciences humaines et sociales sont le parent pauvre de la recherche scientifique. Elles sont moins financées que les autres domaines disciplinaires, au niveau de la thèse comme au niveau des emplois administratifs ou d'ingénierie de la recherche. C'est en SHS que le travail gratuit est le plus répandu, que les contrats sont les plus courts et les rémunérations les plus basses. Le gouvernement a annoncé que le budget de l'ANR va être abondé d'1 milliard d'euros et que le taux de succès de l'ANR sera porté à 30%. Pourtant, comme le souligne Olivier Coutard, le refinancement du système de recherche publique ne peut pas reposer exclusivement, ni même principalement, sur l'accroissement du budget de l'ANR. Je vous invite à l'écouter de nouveau. Financement des activités de recherche aussi, donc on peut dire que les groupes de travail, on est assez à l'aise, nous, Comité national avec ça, distingue trois formes de financement. Les crédits de base des labos, donc ceux qui viennent chaque année, et on sait à une année donnée que pendant plusieurs années dans l'avenir, on va pouvoir compter sur ces crédits de base. Les crédits compétitifs, qui sont, disons, des crédits attribués aux labos et aux équipes en fonction d'évaluation de leur activité et de leur production. Et puis, les crédits sur appel à projet, avec notamment comme opérateur l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, et qui, eux, sont alloués sur la base de sélection entre des projets mis en concurrence. Et donc, on a l'impression que beaucoup est concentré sur l'ANR dans les orientations annoncées du projet de loi, alors qu'il nous semble important que la majeure partie des crédits, en fait, transite par les autres canaux, c'est-à-dire des crédits récurrents, enfin des crédits de base pour les laboratoires et les équipes, et puis des crédits compétitifs que les établissements pourraient distribuer, mais pour une fraction du montant des crédits dont ils disposent, pourraient affecter à leurs équipes en fonction de leurs priorités stratégiques et de la performance des équipes telles qu'ils peuvent l'apprécier. Et donc il y a une question d'équilibre là qui se pose. Sur ce point, le CESE préconise de redonner aux établissements de recherche la marge des financements de base, leur permettant de développer une véritable politique scientifique. Cela implique d'articuler des financements de base en volume suffisant avec des financements sur projet. Troisième point, il faut recruter massivement dans l'enseignement supérieur et la recherche dans tous les métiers. Sur cette question, écoutons cette fois encore Olivier Coutard. Sur l'emploi scientifique, la mesure qui est mise en avant et de manière très prioritaire par la communauté scientifique, c'est de dire on manque cruellement de postes, on manque de postes de chercheurs, on manque de postes d'enseignants-chercheurs, on manque de postes de personnel d'appui à la recherche. L'emploi scientifique est effectivement sous tension depuis longtemps dans la recherche publique. Recul des emplois permanents, baisse impressionnante des recrutements et développement de la contractualisation. Tous les établissements de recherche sont concernés. Le contrat court est devenu une norme d'emploi pour les nouvelles générations. L'infographie sur l'emploi scientifique nous apporte là aussi quelques indications. Un quart des effectifs de recherche correspondent à des emplois non permanents. C'est nettement supérieur au ratio habituel de la fonction publique d'État. Dans ces conditions,
L'entrée dans la carrière est de plus en plus tardive pour les chercheurs. L'obtention d'un poste stable de chercheur dans le secteur public se fait à 34 ans en moyenne. Je vous propose donc maintenant d'entendre le témoignage d'un ingénieur de recherche, Simon Toupense. Il a obtenu sa thèse il y a 9 ans. Donc moi, j'ai soutenu ma thèse fin 2011. J'ai ensuite trouvé un premier post-doc en 2012. Donc, j'ai soutenu ma thèse à Reims. J'ai bougé à Nancy. J'ai effectué un premier post-doc d'un an, puis un deuxième post-doc, donc toujours sur Nancy, dans une autre thématique. Donc, à partir de 2013, sur la thématique sur laquelle je travaille actuellement. Et donc, depuis 2013, je travaille toujours au sein du même labo, mais j'ai entrecoupé. Je suis parti au milieu aux États-Unis. Dans un labo de collaborateurs. Et puis, j'ai été obligé de couper pendant un an, puisque j'ai atteint la limite Sauvadet. Donc, bien que mon poste était toujours à pourvoir, que ce que je devais faire était toujours là, il a fallu que je m'arrête pendant un an, puisque j'avais plus le droit de prolonger mon contrat. Donc, je suis parti faire un an dans le privé. Et à l'université de Lorraine, où je suis, quand on a travaillé plus d'un an à l'extérieur de l'université, le compteur redémarre à zéro. Donc, j'ai de nouveau le droit de faire 6 ans de contrat. Donc là, ça fait un an et demi que je suis en contrat de nouveau avec l'Université de Lorraine. Donc voilà, en tant qu'ingénieur de recherche contractuel en ce moment. Alors l'avenir professionnel, il y a deux solutions. Alors moi, je travaille donc, comme je l'ai dit depuis longtemps, au sein de la même équipe, sur la même thématique. Donc j'ai des chefs qui essayent de me garder, qui ont déjà assuré financièrement, récupéré des financements pour me prolonger régulièrement. Maintenant, l'idée, c'est que j'ai 38 ans, 2 enfants. Donc moi, il me faut un poste stable. Donc, soit on arrive à décrocher un poste stable au sein de l'unité où je suis à l'heure actuelle. Et, donc là, je sais que mon directeur et mon chef direct y travaillent. Ça, je sais bien que ce n'est pas une volonté de leur part, mais il n'y a pas de poste. Donc, on essaye d'avoir une politique là-dessus pour obtenir un poste, un recrutement à l'université. Et puis, si on n'y arrive pas, moi, je prendrai mon bâton de pèlerin pour aller faire autre chose, puisque j'arrive à un moment où... où je ne peux plus rester en CDD éternellement. Ce témoignage est illustratif et beaucoup de chercheurs se reconnaîtront dans la description de ce parcours du combattant qui leur est infligé. Je retiens les derniers mots. Je ne peux plus rester en CDD éternellement. Depuis 9 ans, il a sa thèse. Il a 38 ans, 2 enfants. Le CESE constate que la France néglige ces jeunes femmes et hommes qui se sont engagés pour l'obtention de la plus haute qualification, Bac+8, après un parcours de plusieurs années d'études, comme Simon Toupense. Une large majorité de docteurs se voient contraints d'enchaîner des contrats à durée déterminée et des périodes de chômage. Ce contexte contribue à la désaffection des métiers de la recherche auprès des jeunes, à une perte d'attractivité du doctorat, à la fuite des talents à l'étranger ou vers d'autres horizons professionnels. Les jeunes docteurs aspirent légitimement, après la réalisation de leur thèse, à une embauche stable. C'est un non-sens. Le potentiel que représentent ces docteurs pour l'ensemble de nos activités et de nos besoins est gravement sous-exploité. Et que dire du taux de chômage de 10% des docteurs 3 ans après la thèse ? Pourtant, le projet de loi prévoit de limiter l'emploi statutaire ou permanent en mettant en place de nouveaux outils pour prolonger les périodes probatoires. Pour le CESE, il faudrait procéder à des recrutements stables en nombre bien plus important dans tous les métiers de la recherche. Avec le CDI de projet, qui par définition dure le temps d'un projet, l'orientation prise ne va pas dans le sens d'une aspiration des docteurs à la stabilité. Quant aux chaires d'excellence junior, elles constituent un élément de remise en cause du statut qui inquiète la communauté scientifique et promeut une concurrence pour les mêmes fonctions exercées. Cette conception de l'emploi pour la recherche publique, conjuguée à la réaffirmation renforcée de la modalité de financement par des appels à projets, n'est pas favorable au temps long nécessaire à l'activité de recherche. Écoutons ce que nous dit à ce propos la sociologue Isabelle Claire. Enjeu majeur pour la recherche en France, pour qu'elle puisse continuer à être productive et pour que les gens ne soient pas complètement désespérés de faire ce métier et continuent à travailler pour ce secteur, c'est de renverser la tendance qui actuellement est de précariser de plus en plus l'emploi scientifique, alors qu'on avait justement obtenu dans ce pays, ce qui est assez rare en fait, y compris dans le monde occidental, on avait réussi à stabiliser l'emploi scientifique grâce au statut de fonctionnaire qui assure non seulement la stabilité de l'emploi, donc des vies meilleures,
mais aussi, et c'est très important, une indépendance de la recherche, des pouvoirs politiques et des pouvoirs économiques. Donc évidemment, on doit répondre à des demandes sociales, à des demandes politiques et des demandes économiques. Il ne s'agit pas de couper la recherche du reste du monde social. Par contre, une partie de la recherche doit se développer en dehors des agendas politiques, circonstanciels, en dehors des pressions économiques. Et le statut de fonctionnaire, c'est le principal outil en fait, pour garantir cette indépendance-là et donc garantir notamment la recherche fondamentale, dont il est souvent question, mais qui est vraiment importante, puisque c'est elle qui ensuite permet d'irriguer toutes les autres sortes de recherches, et notamment les recherches appliquées, qui elles sont plus dépendantes des pouvoirs économiques et politiques. Le CESE plaide pour une sécurisation de l'emploi, et notamment de l'emploi des jeunes, par une insertion professionnelle stable au plus près de la thèse. Pour préserver et conforter les atouts de notre système national de recherche qui ont fait sa réputation et pour permettre de contribuer à la résorption de la précarité, le CESE demande la mise en œuvre d'un plan exceptionnel de recrutement effectif de l'ordre de 5 000 à 6 000 emplois par an pendant 5 ans sur des postes statutaires ou permanents, tous métiers et toutes disciplines confondues dans les universités et les organismes de recherche publique. Il s'agit de garantir le recrutement des chercheurs sur des emplois stables. Un autre témoignage, celui d'un jeune doctorant, Kevin Bonneau, de la Confédération des jeunes chercheurs, sur la nécessaire revalorisation du doctorat pendant et après la thèse et sur l'intérêt de cette formation pour la société. Je suis doctorant en troisième année de thèse, financé par l'INRAE et par l'ADEME. Mon sujet, c'est l'analyse et la prédiction de la transformation des PPCP dans l'environnement, donc ce qui concerne les produits pharmaceutiques et de soins personnels. J'ai un cursus de chimiste et de biologiste pour ensuite avoir développé des compétences en écotoxicologie, qui est la science qui s'intéresse à l'impact de la pollution sur l'environnement. Mon doctorat, c'est à la fois une expérience professionnelle de recherche qui va durer au moins trois ans. Avec la gestion d'un projet, et c'est aussi le plus haut diplôme de l'enseignement supérieur. La reconnaissance de ce diplôme a beaucoup évolué en France, notamment en 2017, avec l'inscription du doctorat dans le répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP, ce qui signifie que le doctorat est reconnu comme certification professionnelle, ce qui n'était pas le cas avant. Néanmoins, il manque encore de la reconnaissance pour le doctorat dans les conventions collectives aujourd'hui. Ensuite, la reconnaissance doctorat, elle peut être évaluée aux moyens mis en place pour encadrer les doctorants. Actuellement, 3 doctorants sur 4 seulement sont financés en France. Et depuis 2009, le nombre de doctorants, et donc de futurs docteurs, est en baisse de 10%. De ce constat, il est assez difficile de penser que le doctorat est très bien reconnu en France, au vu des moyens mis dans la recherche pour les jeunes chercheurs. Surtout qu'il y a encore dans l'imaginaire collectif une image du docteur qui est archi spécialisé dans un domaine, alors que c'est en partie vrai. Mais un docteur va surtout développer des compétences transversales importantes lors de ses thèses. Une expertise scientifique pointue et généraliste, la gestion de projet, la sensibilisation d'un public à un sujet complexe. La LPPR, qui sera votée prochainement, ne donne pas plus d'espoir pour que cela s'arrange. Et je parle autant de reconnaissance du doctorat que de la condition des doctorants. Le CESE préconise de reconnaître et revaloriser le doctorat. D'abord, que chaque doctorant puisse être financé pour son travail de thèse. Que la place des docteurs soit renforcée pour irriguer l'ensemble des secteurs et des activités. Que l'obtention des aides publiques telles que le crédit d'impôt recherche soit soumise à l'embauche de docteurs dans les entreprises. Enfin, une revalorisation significative des salaires et des carrières est indispensable. Les grilles salariales doivent tenir compte du niveau de qualification à Bac plus 8. Pour conclure cette deuxième partie et avec la présentation de cette infographie, l'AVI s'attache à décrire la situation des femmes dans la recherche. Retenons qu'elles représentent un tiers seulement des effectifs de la recherche et que le modèle de réussite professionnelle leur est désavantageux. Leur invisibilisation est soulignée. Le CESE soutient les chercheuses dans leur demande d'une approche plus structurelle des inégalités dépassant un simple affichage de parité. Dans la troisième partie de l'AVI, le CESE dit qu'il faut redonner une place à la science dans la société. Il est en effet nécessaire de retisser un lien de confiance et de donner à la science un espace plus grand et plus de visibilité. Et pour ce faire, il retient 1. La nécessité de renforcer le cadre déontologique. Une tribune récente de 800 scientifiques alerte sur les conditions de la recherche dont la mise en concurrence serait propice au risque de fraude et de dérives éthiques.
Pour le CESE, les risques existent. La LPPR doit aller plus loin et renforcer le cadre déontologique de la recherche publique. Deux, il souligne aussi l'importance des critères d'évaluation de la recherche et propose de privilégier sa dimension qualitative. Il retient que l'évaluation par les pairs doit être maintenue et confortée. Enfin, notre Assemblée propose de renforcer la culture scientifique nationale. Il y a besoin de redonner de l'espace à la parole scientifique pour une maîtrise sociale des enjeux scientifiques et technologiques. C'est d'abord la culture scientifique du pays qui doit se développer dans un contexte où une certaine défiance s'est installée vis-à-vis des institutions et de la parole des experts. L'enjeu est aussi que la science permette de mieux évaluer la qualité des informations véhiculées aujourd'hui par de multiples canaux. Aussi, le CESE avance-t-il un certain nombre de pistes pour renforcer la culture scientifique nationale en assurant une formation à la démarche scientifique de tous les lycéens, en développant une formation des étudiantes et étudiants à la pensée critique, à l'argumentation et à la controverse, en formant les chercheurs et les chercheuses à la communication sur leurs travaux, en développant l'éducation populaire. Enfin, le CESE encourage vivement l'interaction constructive entre la science et la société par la voie des sciences participatives et appelle à un développement de la publication ouverte en ligne des travaux scientifiques. Pour terminer, la vie aborde une quatrième grande question, les relations recherche et entreprise. Après une période de grands programmes industriels qui ont permis de bâtir un socle d'activités productives ayant fait de notre pays un acteur industriel et économique important, les stratégies de financiarisation des années 80 ont changé la donne et entraîné un mouvement d'affaiblissement inquiétant de l'industrie française et dans son sillage, une réduction des ambitions de recherche. L'innovation n'est pas de la responsabilité principale de la recherche publique. La recherche crée en revanche les conditions de production de travaux scientifiques et technologiques pouvant conduire à une production finale nécessairement enrichie. La France a laissé son tissu industriel se déliter, faute de promouvoir une politique industrielle globale par des investissements dans l'appareil productif, articulant formation initiale et continue et recherche pour maintenir et développer les filières. Il est difficile d'envisager une réindustrialisation du pays sans un investissement plus important du secteur industriel dans la R&D, et notamment la R&D moyen et long terme. Il nous faut comprendre les profondes mutations engendrées par la place croissante de la communication, du numérique, de l'informationnel, et penser et décider de la finalité de l'utilisation de ces technologies qui modifient en profondeur les usages et notre vie quotidienne, privée et sociale. Pensez aussi décider de la répartition des gains de productivité qui en résultent. Avec cet avis, le CESE invite dans l'actualité du plan de relance et de la LPPR à une réflexion sur les choix à opérer en matière de politique d'innovation. Si la recherche est pilotée par des stratégies de rentabilité immédiate, ce bien collectif essentiel qu'elle représente ne pourra répondre aux attentes sociales, économiques et environnementales. C'est un facteur d'avenir qui supposerait de remettre la science et la technologie au cœur d'un débat national avec l'ensemble des acteurs et parties prenantes, toutes les parties prenantes, et parmi eux, ceux qui produisent et font la connaissance tous les jours, pour définir un horizon et les conditions de la mise en œuvre. Une dernière vidéo, Olivier Coutard. Et puis un dernier point sur la recherche partenariale et les aides à l'innovation. Bon, il y a des choses qui marchent et qui marchent bien, et il y a plein de chercheurs qui sont ouverts à la recherche partenariale. Je pense en particulier aux thèses CIFRE, là, dont d'ailleurs le groupe de travail numéro 3 préconise le doublement. Donc je pense que ce succès est bien reconnu. Il y a des choses qui marchent moins bien, je pense qu'on peut dire, de notoriété publique. Le crédit impôt recherche ne marche pas bien, donc il ne s'agit pas de le supprimer, mais il faudrait le réformer pour qu'il marche mieux, qu'il donne davantage lieu à un effet d'additionnalité, qui fait que quand l'État, met 1 euro d'argent public dans la recherche des entreprises, que les entreprises mettent aussi au pot, si j'ose dire, et c'est pas ce que les études montrent, que les entreprises emploient des docteurs dans leurs activités de recherche, et ce n'est pas non plus ce que les études montrent, et qu'elles développent des partenariats avec la recherche publique à hauteur de l'effort consenti par l'État. Et là, c'est pareil, les résultats sont très décevants. Donc,
Donc on sent bien, et tout le monde le dit, qu'il faudrait réformer le crédit impôt recherche, plus d'additionnalité, plus de conditionnalité, plus de partenariat avec la recherche publique. Et le tout, c'est de s'accorder sur comment faire pour ne pas déséquilibrer le système. Et là-dessus, on n'a pas l'impression que grand-chose soit prévu dans la loi. La recherche fondamentale, la recherche appliquée et l'innovation ne peuvent se combiner que dans le respect des différences et dans leur complémentarité. Les investissements qui ne seront pas faits dans l'entreprise en R&D, dans les filières, ne peuvent être palliés que très partiellement par le secteur public, et ce, au détriment de la recherche amont, c'est-à-dire l'innovation de demain. Le développement du tissu industriel nécessite des choix économiques et politiques qui doivent favoriser l'investissement sur tous les fronts, sur le moyen et le long terme. Quant au pilotage annoncé de la recherche par le pacte productif, rebaptisé plan de relance, il devra être clarifié et faire l'objet de décisions avec toutes les parties prenantes sans régulation. Le schéma risque fort de se reproduire aux dépens du système public de recherche et de ses organismes, et alors aussi de l'industrie. Les conditions d'une relation fructueuse entre l'amont et l'aval doivent donc être bien cadrées. Depuis 15 ans, les politiques publiques de soutien à l'innovation ont fait feu de tout bois en créant des dispositifs nombreux et nouveaux. Ils méritent d'être interrogés. Aussi, le CESE demande plus de visibilité sur les financements et leurs impacts. Il recommande de mettre à plat les aides publiques directes et indirectes à la recherche et de les flécher plus efficacement pour permettre aux entreprises d'investir et de développer la R&D. Il recommande d'évaluer et de simplifier l'architecture actuelle des structures d'interface afin de développer des écosystèmes lisibles qui favoriseraient des partenariats et des coopérations fortes et réciproquement fructueuses entre organismes publics et de recherche et entreprises. Les travaux de cet avis se sont poursuivis au moment de la pandémie si brutale et dévastatrice. Notre pays a réalisé à cette occasion combien il est nécessaire d'investir dans le temps long tout en se dotant d'organisations fiables, pérennes et donc sereinement mobilisables quand des crises surgissent. Alors que les transitions s'accélèrent et que les risques augmentent, l'investissement dans la recherche et dans l'enseignement supérieur ne devrait pas être perçu comme une priorité de plus, une priorité parmi d'autres. De la qualité de notre recherche fondamentale, de la capacité d'une nation à faire le pari de la créativité et à prendre des risques maîtrisés, dépendent l'innovation, le développement et le progrès. Après des années de repli et de sous-investissement chronique, le CESE forme un vœu que le Parlement prenne la mesure de l'urgence, qu'il donne à nos chercheurs les moyens et le cadre nécessaires au plein exercice de leur mission, qu'il exprime symboliquement sa confiance en considérant à nouveau la recherche comme une composante essentielle de notre souveraineté, la clé de notre avenir. Je remercie tous les conseillers qui ont participé évidemment aux travaux dans la section, les deux sections, les conseillers aussi de la section éducation, communication, culture. Je salue d'ailleurs Gérard qui a quitté le conseil économique. Je remercie pour leur soutien bienveillant et leur collaboration toujours attentionnée et efficace l'administration de la section. Un petit message particulier à Marine, vous avez compris, elle quitte le CESE. Je remercie aussi Delphine pour sa qualité, la qualité de son animation et sa confiance. Voilà. Je vous remercie. Il y aurait donc une contribution de la délégation Outre-mer par M. Olivier Mounier. Voilà, ok. Je ne voyais plus, c'est pour ça. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues, nous devions faire cette présentation à deux, avec Jean-Étienne Antoinette, mais vous comprenez aisément les raisons pour lesquelles il lui a été difficile et compliqué de quitter la Guyane. Nous souhaitons tout d'abord remercier la section des activités économiques de nous avoir permis d'éclairer sur les enjeux de l'outre-mer le projet d'avis sur la loi de programmation pluriannuelle de la recherche.
Nous espérons que cette contribution permettra d'éclairer l'attention du gouvernement sur nos territoires, absents de ce projet de loi de programmation, tant il représente à la fois des enjeux majeurs et de véritables opportunités pour la recherche française et son rayonnement à l'international. Il suffit de regarder les défis majeurs pour notre planète pour saisir, à quel point les Outre-mer devraient être en position centrale. Protection de la biodiversité, lutte contre les changements climatiques, énergie renouvelable, préservation et exploitation raisonnée des ressources naturelles, études des risques naturels, alimentation durable, recherche sur les maladies infectieuses, et on peut y associer les sciences humaines et sociales avec les langues et la culture, et aussi l'impact des migrations ou les crises sociales. Sur chacun de ces sujets, il est aisé de voir en quoi ils concernent plus particulièrement les Outre-mer. Pourtant, les Outre-mer restent peu investis par la recherche publique et la recherche privée. Les dépenses de recherche représentent seulement 0,5% du PIB, ce qui fait 271 millions d'euros. Il faut donc intensifier les efforts de rattrapage engagés. La délégation appelle donc le gouvernement à intégrer pleinement les Outre-mer à l'effort national en faveur de la recherche et à augmenter fortement les dépenses publiques de recherche en Outre-mer. La recherche en Outre-mer a aussi besoin d'orientations stratégiques claires et stables. Il est grand temps d'inscrire les Outre-mer dans les priorités nationales de la recherche et d'insuffler une véritable stratégie d'innovation au niveau de chaque territoire en s'appuyant sur les collectivités régionales. Revenons à notre premier constat, les Outre-mer ne sont pas suffisamment présents dans les orientations stratégiques. Les laboratoires situés en Outre-mer souffrent d'une taille insuffisante pour pouvoir émarger aux projets nationaux. Le dimensionnement des appels à projets doit donc être adapté aux enjeux et spécificités des Outre-mer. La délégation milite pour implanter davantage de chercheurs sur nos territoires, limiter la délocalisation de la recherche et la fuite des cerveaux vers l'Hexagone. Il faut donc localiser des centres d'excellence en Outre-mer. Les universités doivent également faire l'objet d'un grand plan d'investissement car elles demeurent particulièrement sous-dotées en moyens humains et budgétaires. Les universités doivent renforcer leur mission de formation par la recherche pour former sur place une main-d'œuvre qualifiée et valoriser les résultats obtenus auprès du tissu économique local. Les centres de recherche doivent aussi davantage s'impliquer dans les partenariats avec les entreprises et les collectivités territoriales. Il faut également orienter la stratégie nationale de recherche en direction des Outre-mer. Les enjeux mondiaux sont des défis immédiats pour nos territoires et justifient un positionnement plus affirmé de la recherche en Outre-mer pour assurer leur développement durable. La recherche doit aussi servir à éclairer les politiques publiques, car les décideurs sont confrontés en Outre-mer à des situations très spécifiques et particulièrement complexes. Plusieurs champs de recherche sont communs à l'ensemble des territoires et devront être inscrits dans les thématiques prioritaires. La délégation en liste 6, qui sont la protection de la biodiversité et la valorisation des ressources naturelles, le développement économique des territoires insulaires, la santé et les maladies émergentes, la transition énergétique, les sciences humaines et sociales, les sciences de la durabilité et de la résilience. La délégation préconise, pour structurer et renforcer la recherche en sciences humaines et sociales, qui revêt une importance toute particulière pour nos territoires, la création d'une maison des sciences de l'homme dans le bassin de l'océan Indien et dans celui de l'Antiguyane, sur le modèle de celui du Pacifique. Elle préconise également la mise en œuvre de projets de recherche transversale sur la biodiversité et la santé en milieu tropical, ainsi que la création d'un laboratoire de recherche pluridisciplinaire spécialisé sur la protection de la biodiversité en Guyane. Enfin, la recherche et l'innovation en Outre-mer doivent s'appuyer sur les territoires. Les régions sont les nouveaux acteurs clés de l'innovation. La délégation appelle à une meilleure planification territoriale permettant aux entreprises de se positionner en fonction des axes retenus par chaque collectivité. Il faut, pour la programmation FEDER 2021-2027, consolider la cohérence de l'allocation des moyens financiers entre l'État, les régions et les fonds européens sur la base de stratégies régionalisées définies au plus près du terrain. La délégation soutient également l'initiative des plateformes de coordination de la recherche et préconise d'en confier le pilotage aux collectivités territoriales.
Ces plateformes devront être destinatrices de tous les appels à projets concernant les Outre-mer, afin de permettre un accès plus facile des centres de recherche, ultramarins. Elles devront également favoriser l'implantation d'unités mixtes de recherche associant gros organismes et universités en s'appuyant sur des stratégies communes territorialisées. Le transfert de technologies et les acteurs de l'innovation doivent être mieux accompagnés. L'écosystème de l'innovation commence à se structurer dans certains territoires, notamment à La Réunion. La délégation invite les collectivités régionales à se saisir du besoin d'accompagnement des petites et moyennes entreprises vers l'innovation. Elle propose pour cela de renforcer les structures d'incubation et le financement d'amorçage par les régions pour stimuler l'investissement dans la recherche et le développement. La délégation préconise enfin que les collectivités régionales mettent en place des avances de trésorerie et accompagnent les jeunes entreprises innovantes dans les procédures d'accès au financement européen. Une aide régionale pourrait consister à prendre en charge les frais du premier brevet de l'entreprise sous la forme d'un chèque service pour le dépôt, des brevets, ce qui permettrait de valoriser un capital de départ et de lancer son développement. Voici quelques-uns des axes sur lesquels nous souhaitions insister. Nous ne pouvons pas terminer cette présentation sans remercier les membres de la délégation et notre administrateur Guillaume Corbel qui ont activement participé à notre côté à cette contribution réalisée en juillet et en août, à des heures de réunion pas toujours faciles pour permettre de se réunir tous ensemble en visioconférence. Et puis un grand merci à ceux qui font la transcription. J'ai bien conscience qu'aujourd'hui, ils sont soumis à rude épreuve. Merci de votre attention. Merci. Nous allons donc passer à l'audition des groupes maintenant. Je vais d'abord appeler Fanny Arave pour le groupe de l'UNSA. Vous avez, je vous rappelle, 3 minutes. Vous faites... Oula, il y a de l'écho. C'est bon. Président, Madame la rapporteure, chers collègues, nous revoici devant cette Assemblée sur le sujet de l'avenir de la recherche et de son projet de loi de programmation pluriannuelle actuellement en cours de discussion à l'Assemblée. Le texte de loi initial a été enrichi des discussions et échanges avec les acteurs, notamment syndicaux, et des améliorations notables, les personnels sont actés. Cette loi, destinée à pallier la faiblesse de l'investissement de l'État au cours des années passées, comprend des mesures conséquentes d'urgence nécessaires pour maintenir notre système de recherche, mais ne permet pas un réel changement de cap. En effet, la durée, 10 ans, et la faible progressivité des premières années d'investissement en affaiblit la portée. L'UNSA revendique une concentration plus forte des moyens sur une durée plus resserrée à 7 ans. Mais outre les ajustements budgétaires, l'avis présenté se prononce et nous interroge sur un périmètre bien plus large. Quelle ambition se donne le pays? Quelle stratégie? Quelle politique sectorielle? Quel système d'élaboration, de formation et de transmission du savoir propre aux travaux de recherche? Et quel apport de la recherche au questionnement de notre société? Quelle place laisser à une recherche qui cherche, à qui on laisse le temps de chercher? Une terrible incompréhension s'est transformée en cercle vicieux, où les instruments dits de stimulation, triple évaluation, sélectivité des postes et des sujets, course à l'échalote pour un poste stable, conditionnalité des budgets pour financer personnel et matériel dans la recherche publique, sont justement les instruments de sa déstabilisation et de son empêchement à viser loin. Le débat qui agite le milieu universitaire sur la délivrance du titre et ou du grade de docteur illustre bien les atermoiements de notre modèle français. Celui-ci concentre ses attentions sur les écoles, notamment les grandes écoles, à contre-courant du milieu de la recherche internationale, attentive et reconnaissante, elle, à la valeur de nos thésards et doctorants, post-doctorants, voire post-doctorants, car les accueillant de plus en plus, depuis longtemps, tissant des réseaux précieux, certes, y compris dans d'autres domaines que les mathématiques, qui ont certes le bon goût de ne pas être trop gourmands en moyens. Quel message est ainsi adressé aux étudiants universitaires, mais aussi à ces ingénieurs qui, passionnés, font le choix, et souvent avec succès, de passer leur doctorat à leur fameuse thèse, quitte à se déqualifier selon certains? L'université doit être reconsidérée. La transmission du savoir, des aptitudes à envisager, expérimenter le nouveau, sont à la base de la société de demain. L'UNSA revendique que cette loi s'accompagne d'une loi de programmation de l'université. À l'heure où nous parlons souveraineté dans les secteurs stratégiques, tels la santé, la défense, le numérique, à l'heure où les questions environnementales ont besoin du savoir, stopper la situation de dépérissement de la recherche publique est une démarche que nous ne pouvons que saluer, tout en s'inscrivant dans la volonté d'une ambition plus structurante. L'UNSA votera l'avis. Merci.
Je vais passer la parole à Manon Pisani pour le groupe de l'agriculture. Monsieur le Président, Madame la Rapporteure, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, lors de la plénière consacrée à la partie budgétaire du projet de loi sur la recherche, le groupe de l'agriculture avait affirmé que les ambitions économiques, sociales et environnementales de notre pays devaient s'appuyer sur une recherche ambitieuse. Je veux rappeler que la recherche et l'innovation sont des outils essentiels pour allier transition climatique, productivité et compétitivité dans le secteur agricole. Il faut renforcer les synergies entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée, l'enseignement supérieur et le déploiement des connaissances sur le territoire. Et il faut aussi améliorer les échanges entre les secteurs de la recherche, de l'industrie et de l'agriculture. Il faut aussi faire reprendre conscience aux décideurs comme aux citoyens que la recherche, c'est du temps long et qu'il faut savoir investir sans attendre de résultats immédiats. Le secteur agricole en souffre tout particulièrement. L'interdiction brutale des néonicotinoïdes sans plan d'accompagnement, sans dotation spécifique à la recherche publique ou privée, a eu des conséquences catastrophiques pour les planteurs de betteraves et pour toute une filière. Les médias en ont particulièrement relayé les difficultés rencontrées cet été. En moyenne, près de 35% des surfaces nationales ont été atteintes de jaunisse, de 5% à 10% dans les régions les plus épargnées, 100% dans celles les plus durement touchées. Les pertes de rendement s'élèvent à près de 40% sur ces surfaces, soit l'équivalent de plus de 5 millions de tonnes de betteraves qui ne sont pas produites cette année. Un tel sinistre est une menace majeure pour cette filière et les 46 000 emplois directs qu'elle représente, le même nombre d'emplois indirects et induits. L'interdiction systématique des intrants ne fait pas une politique. Ce qu'il faut construire avec les agriculteurs, les scientifiques, les politiques et les citoyens, c'est une transition écologique et énergétique avec des moyens dédiés à l'agronomie et aux alternatives de traitement. L'effort doit être global et porté par le plus grand nombre d'acteurs possible. Cela permettra à nos jeunes de s'installer dans des conditions optimales. Nous soutenons donc une sensibilisation de notre jeunesse aux carrières scientifiques. Nous devons investir dans la formation des élèves et des étudiants et nous devons aussi faire en sorte qu'ils poursuivent leurs recherches en France. Il faut aussi, bien entendu, continuer à renforcer les liens entre les entreprises et la recherche. Le groupe de l'agriculture votera cet avis. Merci. Pour le groupe de l'artisanat, Jean-Pierre Couset. Monsieur le Président, chers collègues, l'avis examiné aujourd'hui insiste sur la nécessité d'investir plus fortement et plus rapidement en faveur de la recherche que n'envisage pas le projet de loi. Il s'agit à la fois de rattraper le retard accumulé par la France au cours des dernières décennies, mais aussi de répondre aux besoins d'une économie plus écologique, plus compétitive et créatrice d'emplois. Un tel enjeu figure d'ailleurs dans la stratégie du plan de relance. Nombre de ces mesures vont nécessiter un investissement massif en faveur de la recherche et de l'innovation. L'avis rappelle le rôle que doit tenir la recherche publique dans ces transformations, tout comme il souligne l'importance de sa complémentarité avec la recherche privée via des synergies d'action à mobiliser autour des partenariats plus efficients. À cette fin, il recommande notamment de s'appuyer sur un écosystème de structures d'interface plus simple et plus lisible. Nous soutenons une telle évolution qui présenterait l'avantage de favoriser l'intégration d'un plus grand nombre de TPE-PME dans ces structures. Dans le même sens, nous approuvons la proposition de rendre les aides directes et indirectes en faveur de la recherche-développement privé à la fois plus efficaces, mais aussi mieux fléchées sur ces catégories d'entreprises. En effet, les TPE sont trop peu nombreuses à en bénéficier au détriment de leurs investissements dans l'innovation. L'avis insiste par ailleurs sur les besoins de renforcer les relations entre science et société. Cet axe nous paraît crucial dans la période actuelle où les transformations importantes en lien avec les évolutions écologiques et numériques vont affecter tous les segments de notre économie et nécessiter des changements profonds dans la vie quotidienne et professionnelle.
Or, ceux-ci ne pourront réussir que s'ils sont compris, réalistes et donc acceptés. Aujourd'hui, beaucoup de choix politiques, économiques, sociaux s'appuient sur l'expertise scientifique. Or, les enquêtes montrent qu'une large part de la population est sceptique, voire méfiante, face aux données de la science. Pour restaurer cette confiance, deux leviers nous semblent essentiels. D'une part, garantir la neutralité et l'objectivité des productions scientifiques. D'autre part, développer un dialogue régulier entre les chercheurs et la société et rendre accessibles à tous les résultats des travaux scientifiques. Citoyens et entreprises possèdent en effet une expertise d'usage qui ne peut qu'enrichir les travaux de recherche. De telles évolutions seraient de nature à favoriser l'acceptabilité de décisions publiques prises sur la base d'expertise scientifique. Le groupe de l'artisanat exprimera un vote favorable sur l'avis. Merci. Pour le groupe Association, Madame Delphine Lalu. Chers collègues, avant toute chose, nous vous remercions chaleureusement pour la grande qualité de vos travaux, la constance et la pertinence de vos recommandations. Nous vous remercions aussi d'avoir reconnu le rôle déterminant de l'éducation populaire pour renforcer la relation entre la science et la société. Nous voterons cet avis. Vous l'avez dit, de la qualité de notre recherche fondamentale, de la capacité d'une nation à faire le pari de la créativité et à prendre des risques maîtrisés, dépendent l'innovation, le développement et le progrès. À l'instar de toutes les personnes auditionnées, nous pensons aussi que la recherche et l'université ont besoin de temps long, qu'elles doivent être portées par de la règle d'or du pacte. Sur les crédits de base, si l'actuel projet de loi se propose d'augmenter significativement le financement par l'ANR et le préciput associé au financement par appel à projet, si le système par appel à projet a permis d'apporter un peu de souplesse et d'autonomie à des équipes qui en manquaient, s'il permet d'accompagner des choix d'investissement et donc de piloter l'effort de recherche du pays, force est de constater que son fonctionnement comporte des effets pervers. Nous relevons notre alerte, le financement pérenne doit rester la norme et celui sur projet ne devrait être qu'un financement complémentaire. Sur les emplois, en créant le contrat postdoctoral, le projet de loi entend fournir un cadre sécurisant pour les jeunes chercheurs. C'est heureux. Comment comprendre alors que ce nouveau contrat déroge aux principes fondamentaux du droit du travail sur de nombreux points, sans comporter de garantie en matière de rémunération et de durée minimale d'emploi, condamnant ainsi les jeunes docteurs pourtant hautement qualifiés à enchaîner des CD, des cours et potentiellement payés au SMIC pendant de longues périodes. Ce n'est pas ainsi que nous réussirons à endiguer la fuite des cerveaux. Devant l'Assemblée nationale hier, la ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur rappelait très justement que nous sortons d'une décennie perdue. À l'instant, le commissaire vient de nous rappeler l'immense effort intellectuel que nous allons devoir convoquer pour affronter les défis du XXIe siècle. Le groupe des associations forme le vœu que le Parlement prenne la mesure de l'urgence, qu'il donne à nos chercheurs les moyens et le cadre nécessaires au plein exercice de leur mission, qu'il exprime sa confiance dans l'avenir en considérant à nouveau la recherche, la connaissance et la créativité comme une composante essentielle de notre souveraineté, comme une clé de notre développement économique et humain. Merci. Madame Soraya Duboc pour le groupe de la CFDT. Monsieur le Président, chers collègues, le projet de LPPR est majeur car il fixe les moyens et donc les ambitions pour la recherche française sur les 10 prochaines années. Les défis pour notre recherche ne se réduisent pas aux aspects quantitatifs et budgétaires, certes significatifs. Ils sont aussi et surtout organisationnels, institutionnels et peut-être aussi culturels, s'agissant par exemple de la délicate question de l'évaluation de la performance de notre système de recherche public et privé. Pour ce qui est du volet budgétaire, la CFDT soutient pleinement la préconisation visant à concentrer et à sécuriser sur les 3 prochaines années l'effort financier additionnel de 6 milliards, permettant ainsi d'atteindre l'objectif de 1% du PIB. À rebours donc du projet de LPPR qui répartit un montant de 5 milliards sur 10 ans avec une montée en charge significative au-delà de 2027. Une partie de cet effort financier doit viser à mieux valoriser les métiers de la recherche, notamment en améliorant les rémunérations des chercheurs, en évitant la précarité des doctorants,
en renforçant les effectifs dans les métiers de soutien à la recherche. Cela étant, l'investissement global dans la recherche en France ne peut pas reposer essentiellement sur les structures de recherche publique et doit s'appuyer principalement sur une forte implication du secteur privé. La CFDT approuve l'appel à des réformes destinées à stimuler l'investissement privé dans la recherche, conjointement à la mise à plat des aides publiques destinées à soutenir la recherche dans les entreprises et à l'amélioration des dispositifs de transfert, notamment en direction des ETI et des PME. Dans le projet d'avis, les analyses sur la situation de la recherche se concentrent sur la recherche universitaire et son lien avec l'enseignement supérieur. Si nécessaire soit-elle, elles auraient été utilement complétées par une étude plus fine de l'organisation de la recherche dans d'autres types d'établissements publics ou mixtes public-privé. D'autres aspects importants auraient mérité d'être examinés de plus près, tels que la simplification des dispositifs de transfert et les réticences à employer des docteurs dans le secteur privé. La contribution de la délégation de l'Outre-mer est venue enrichir le projet d'avis sur des aspects trop peu abordés, en particulier pour ce qui est des coopérations internationales. Cette contribution démontre aussi l'importance de la dimension territoriale, rappelant notamment que l'octroi des fonds européens est directement conditionné à la définition d'une stratégie de spécialisation intelligente par chaque région, et plus largement, elle vient rappeler la nécessité d'une coopération forte entre l'État et les régions, point éludé par le projet de LPPR. Malgré des réserves substantielles quant à certaines analyses et options, mais en soutien aux principales préconisations et en considérant l'intérêt de la contribution de la délégation de l'Outre-mer, la CFDT votera en faveur de ce projet d'avis. Merci. Il va falloir prendre un bon verre d'eau, là. Régis Dos Santos, pour le groupe de la CFE-CGC. Merci, Monsieur le Président. Pour la CFE-CGC, la nécessité d'une intensification de l'effort de recherche apparaît cruciale pour préparer l'avenir et surmonter le décrochage scientifique, technologique et industriel de la France. Il faut pour cela réagir et investir dans cette recherche à la hauteur de nos ambitions. Premièrement, atteindre très rapidement l'objectif de 3% du PIB consacré à la recherche, contrairement aux 2,2% mesurés avant la crise. Faire bénéficier de dotations pérennes en financement et en personnel les organismes publics de recherche. Équilibrer compétences et moyens récurrents et contractuels afin de garantir l'indépendance des chercheurs, stimuler la découverte de nouveaux objets d'études et favoriser la recherche fondamentale sur le long terme. Enfin, revaloriser les rémunérations des chercheurs et mieux reconnaître les doctorants. Notre ambition est bien de revaloriser les carrières dans la recherche. D'une part, pour empêcher la fuite des cerveaux vers des pays proposant des conditions de recherche plus attractives. De l'autre, pour faire émerger une nouvelle génération de scientifiques. L'attractivité de ces métiers doit, en effet, être une priorité des politiques publiques. Cet avis souligne parfaitement le caractère vital de la recherche, ainsi que la nécessité d'investir massivement sur le long terme. C'est pourquoi nous devons absolument redonner à la recherche les moyens de progresser. Les propositions de la CFE-CGC rejoignent globalement les préconisations de cet avis. C'est pourquoi le groupe de la CFE-CGC le votera. La recherche est un levier essentiel dans le progrès des connaissances, l'émergence d'innovations et la création de nouvelles activités économiques et sociales. Elle participe à la souveraineté et à la compétitivité de la France. Plus que jamais, investir dans la recherche doit être une priorité pour notre pays. Nous remercions la délégation à l'Outre-mer d'avoir contribué à la réflexion, puisqu'il était également crucial d'intensifier notre effort de recherche dans les territoires ultramarins. Là aussi, il y a urgence. Le groupe de la CFE-CGC adresse au gouvernement un message direct. Ouvrez des portes. Recrutez sans calcul dans tous les domaines où nous avons besoin de connaissances nouvelles. Tous les grands progrès scientifiques et techniques sont nés de nouvelles audaces et de l'imagination. Débridons-la. Merci. Monsieur Touvenel, pour le groupe de la CFTC. Monsieur le Président, mes chers collègues, quand le Premier ministre de l'époque a initié en 2019 le projet d'une loi de promulgation pluriannuelle sur la recherche, la CFTC, comme la plupart des spécialistes en la matière, a approuvé cette initiative, sachant que tout retard dans ce domaine ne fait qu'accroître le risque de décrochage. La crise sanitaire met en lumière de façon dramatique nos manques en matière d'investissement
dans le secteur notamment de la recherche médicale. Les pénuries de matériel, masques, médicaments démontrent en outre la nécessité de rebâtir un outil industriel autour de notre recherche. Il est donc nécessaire d'affecter d'importants moyens à la recherche-développement. La loi en discussion actuellement au Parlement doit intégrer de façon lisible et ciblée les moyens qui seront consacrés à la recherche. Il est essentiel que la prochaine loi de finances intègre ces différentes données. C'est pourquoi nous soutenons notamment la préconisation 1 qui relève l'urgence d'augmenter nos moyens d'investissement. Force est de constater qu'il faut également revoir le type de recherche que l'on soutient. Depuis plusieurs années, nos gouvernements ont plutôt favorisé la recherche privée par différentes aides, comme le CIR. Cela s'est souvent fait au détriment de la recherche publique et fondamentale. Même si la création de l'Agence nationale de la recherche devait pouvoir assurer le financement de différents projets et équilibrer ses aides. Or, celle-ci n'a pas les moyens de ses ambitions. Il faut amplifier les moyens de l'Agence afin qu'elle oriente efficacement les fonds sur la recherche fondamentale et publique et sur la recherche par projet, cela de façon pérenne. La CFTC insiste sur la nécessité de prendre en compte le malaise exprimé par les chercheurs, cheville ouvrière indispensable du renouveau et de l'efficacité de notre recherche. Les préconisations 3 et 4 sont éclairantes en la matière. Comme le confirme un rapport remis au gouvernement, la profession de chercheur se précarise, les rémunérations sont sensiblement inférieures à celles des pays voisins et nous connaissons une érosion de l'emploi des scientifiques permanents, érosion masquée en partie par le recours à des contrats précaires. Il est nécessaire pour la CFTC d'apporter confiance et sérénité aux chercheurs en mettant en place une politique pérenne et stable de leurs emplois. Vous l'avez compris, nous voterons cet avis. Merci. Pour le groupe de la CGT, Madame Marie-Claire Caïto. La déflagration internationale que nous vivons interroge la société sur le choix d'un modèle de développement mondialisé qui a priorisé les logiques de financiarisation, de concurrence et de dérégulation sur le bien-être de l'humanité et la préservation de la planète. Un changement profond est nécessaire pour répondre à cette crise de civilisation. Interroger les choix, c'est ce à quoi invite cet avis. Les orientations de la loi de programmation de la recherche vont-elles accentuer les faiblesses de notre système de recherche ou les corriger ? Le plan de relance du gouvernement n'acte pas de rupture avec le monde d'avant. Au contraire, les subventions publiques sans conditionnalité sociale et environnementale, l'absence de vision stratégique sur le long terme, la non-prise en compte des enjeux du travail et de la démocratie, en particulier dans les entreprises, risquent d'enfoncer notre pays dans un chômage massif et durable. Quels outils pourra donc actionner un commissaire au plan pour changer la donne ? Il faut renforcer à un haut niveau les capacités de notre recherche, tant publique que privée. C'est un levier essentiel pour répondre à nos besoins, relever les défis dont certains d'une urgence majeure et conduire les transitions. Au regard de nos engagements pour un objectif de 3% du PIB, il manque 6 milliards à la recherche publique et 14 milliards côté entreprise. Les 6 milliards correspondent singulièrement à ce qui est donné en crédit impôt recherche. Cette aide, qui n'a jamais pu être évaluée par le Parlement, contribue trop souvent à des effets d'aubaine pour des grands groupes qui délocalisent leur production, utilisent les retombées pour s'extravertir et concourent à désindustrialiser le pays qui ne s'en relèvera pas. Les aides publiques doivent impérativement être conditionnées et s'inscrire dans une stratégie nationale industrielle et de recherche définie avec toutes les parties prenantes. Dès maintenant, il faut revoir le modèle qui, priorisant court terme et concurrence, fragilise les universités et les laboratoires, compromet la formation à la recherche et la constitution d'un vivier de scientifiques et met en péril les innovations indispensables. L'avis souligne l'urgence de recruter massivement sur des emplois stables dans tous les métiers de la recherche, de reconnaître les qualifications et de revaloriser significativement les rémunérations. Il invite aussi à une approche plus structurelle des inégalités d'un modèle professionnel désavantageux pour les femmes. La crise sanitaire met en évidence l'importance de l'appropriation sociale des enjeux scientifiques et technologiques, alors que l'on observe des mouvements inquiétants de remise en cause de la parole scientifique. Au moment où une grande partie de la communauté scientifique se mobilise pour exprimer son désaccord sur le contenu du projet de loi en débat à l'Assemblée, le gouvernement maintient son orientation. La CGT est partie prenante de ces mobilisations pour ouvrir d'autres possibles à la crise profonde actuelle. La CGT votera cet avis. Merci.
Juste une information avant de passer la parole à Martine de Robert du groupe CGT FO. Je vous rappelle que, évidemment, le vote se passe par SMS, hein, compte tenu qu'un certain nombre de nos collègues n'ont pas pu être présents ici. Donc, on a gardé le vote général SMS pour tout le monde. Voilà, comme je ne l'avais pas précisé avant, je voulais le rappeler. Martine de Robert, pour le groupe de CGT FO. Vous avez la parole. Monsieur le Président, chers collègues, malgré les différentes réformes, voire à cause d'elles, la recherche dans notre pays est dans une situation préoccupante. Ce constat est partagé aussi bien en son sein qu'au-delà et avait déjà été soulevé par notre groupe en juin dernier à l'occasion de la saisine gouvernementale. Ce projet d'avis confirme parfaitement à quel point les moyens alloués à ce secteur stratégique ne sont pas à la hauteur des enjeux. Au-delà des promesses successives d'un avenir meilleur, et alors que tout le monde s'accorde sur l'importance de la recherche dans un monde en pleine transformation, l'espoir de voir notre pays lui consacrer au moins 3% de sa richesse apparaît bien loin de se concrétiser. Pourtant, à l'ère du savoir et de la connaissance, où chacun perçoit non seulement les enjeux de la recherche dans les domaines de l'environnement, de la santé, des nouvelles technologies, du numérique, etc., mais aussi l'impact direct qu'elle a et qu'elle va avoir sur notre modèle de développement économique, nos capacités de création de richesses, d'exploration de nouveaux gisements d'emploi et d'accompagnement des transitions professionnelles face aux mutations en cours, si rien n'est fait, le décrochage deviendra inéluctable alors que nous étions, il n'y a pas si longtemps, un pays reconnu et considéré en matière de recherche. Pour le groupe FO, la recherche doit retrouver sa place. Plusieurs préconisations du projet d'avis sont pour nous essentielles pour y arriver. Le gouvernement doit ainsi rapidement concrétiser l'objectif d'affecter 3% de notre richesse à la recherche. De même, les dépenses de l'enseignement et de la recherche doivent être exclues des règles du pacte de stabilité et de croissance. Nous ne pouvons plus accepter que notre avenir collectif soit considéré comme un déficit qu'il faut à tout prix limiter dans une borne aussi rigide. Il faut donc cesser de ne voir que les considérations budgétaires à court terme et regarder davantage les bénéfices que l'investissement dans la recherche peut apporter à notre société. Le monde de la recherche doit aussi retrouver sa sérénité et sa stabilité. Pour cela, les chercheurs doivent pouvoir consacrer plus de temps à leur métier qu'à la recherche de financement pour répondre à leurs besoins de fonctionnement élémentaire. De même pour le groupe FO, il n'est pas acceptable que le monde de la recherche soit soumis à une telle précarité. Que ce soit à travers du CDI de mission ou des chaires de professeurs juniors, le choix d'une contractualisation tous azimuts aux dépens de pérennisation des personnels sur de vrais postes statutaires et permanents constitue un handicap pour la performance de la recherche française. La régularisation des situations de personnes en CDD et des vacataires, l'octroi d'allocations ou de bourses de thèse en nombre suffisant, une réelle revalorisation salariale qui tient compte des qualifications et des niveaux d'études, sont des impératifs si nous voulons consolider notre potentiel de recherche. Enfin, le groupe FO insiste sur l'importance des sciences sociales qui ne peuvent demeurer le parent pauvre du monde de la recherche et encore moins être les premières sacrifiées sur l'autel des politiques d'austérité et de réduction d'effectifs. Vous l'aurez compris, le groupe FO salue la qualité de ce travail et votera ce projet. Merci. Je vais passer la parole à Jacques Landriot pour le groupe de la coopération. Merci. Monsieur le Président, chers collègues, nous traversons collectivement une exigeante période de transition économique, sociale et environnementale qui nous demande de nous adapter. La crise actuelle liée au Covid-19 en est un des marqueurs, sans doute le plus spectaculaire de ces derniers mois. Indéniablement, dans ce cas précis, la recherche clinique représente le principal levier pour nous permettre de surmonter cet épisode qui bouleverse profondément et durablement nos quotidiens. Professeurs, chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnels d'appui mènent avec courage leurs travaux au sein de nos universités, de nos grandes écoles, de nos organismes publics et de nos entreprises pour nous permettre de disposer des connaissances essentielles à la compréhension, à la résolution des défis auxquels nous devons faire face. Ainsi, le projet gouvernemental actuel de programmation pluriannuelle de la recherche doit pouvoir montrer à ces derniers un soutien qui passe notamment, comme le précise la préconisation numéro 1, par un niveau suffisant et pérenne de financement. Le niveau actuel de financement public est en effet actuellement insuffisant, alors qu'on observe une dégradation tendancielle de cette situation. À côté de cela, nous notons la généralisation de la compétition, souvent délétère, au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour l'accès à des ressources notoirement insuffisantes. La préconisation numéro 5 invite de ce fait
à une coopération juste et équilibrée. La dégradation importante des conditions de travail au sein de l'ESR depuis au moins une décennie, la préconisation numéro 6 met l'accent sur le besoin de financement de base permettant de développer une véritable politique scientifique. Les rémunérations trop faibles des personnels scientifiques, notamment au début de carrière, la préconisation numéro 8 invite à une revalorisation significative des salaires et des carrières. Face à cet étiolement, il apparaît impératif de donner à la recherche française les moyens de ses ambitions en termes budgétaires et de fonctionnement, afin qu'elle incarne pleinement son rôle de vigie dans nos sociétés, en même temps qu'elle retrouvera sa désirabilité. Plus spécifiquement, les entreprises coopératives s'appuient régulièrement sur la recherche, scientifique ou autre, pour fonctionner et mettre continuellement à jour leur modèle. Pensons notamment au secteur de l'énergie, de l'habitat et ou de l'agriculture, qui en ont besoin pour répondre aux attentes sociétales 5.0 tout en préservant leur compétitivité. La science naît au moment où la société décide de comprendre son monde ou de le reconstruire. Dans ce monde en reconstruction, misons efficacement et humainement sur elle. De ce fait, le groupe de la coopération votera cet avis. Merci. Madame Renée Engeler pour le groupe des entreprises. Madame la rapporteure, l'attractivité de notre écosystème national de la recherche est cruciale dans le contexte de forte concurrence internationale. Comme le projet d'avis le souligne, nous partageons le même diagnostic. Financement insuffisant, érosion des effectifs, liens encore trop éloignés entre recherche publique, société et entreprise notamment. Il est à noter cependant que l'actuel projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche comprend des avancées à saluer, telles celles de nature à favoriser les relations entre recherche publique et entreprise, ou à établir une meilleure synergie entre recherche et société, ou encore en augmentant sensiblement les moyens budgétaires. Néanmoins, il est aussi véridique que ce projet ne suffira pas à lui seul à mobiliser les 3% du PIB dans la recherche et développement, et que des précisions seront à apporter dans la mise en œuvre, tant au niveau de la stratégie et son articulation avec les programmes européens, que de l'affectation et de la gestion des moyens supplémentaires accordés aux chercheurs et aux projets de recherche, ou encore du choix des indicateurs pour le suivi de l'impact des investissements consentis. Le groupe des entreprises approuve plusieurs des préconisations formulées dans cet avis. Rendre plus lisibles les financements de la recherche et les flécher plus efficacement, évaluer et simplifier afin de développer les écosystèmes lisibles favorisant une meilleure coopération publique-privée, par exemple. Enfin, les entreprises souhaitent que le texte de loi de programmation pluriannuelle de la recherche s'enrichit des quelques évolutions proposées et essentielles pour soutenir l'attractivité et l'efficacité de l'écosystème de la recherche et de l'innovation. À notre avis, trois aspects apparaissent essentiels. La conception d'un indicateur pour mesurer l'impact de la loi et pour mieux piloter la trajectoire budgétaire de cette loi de programmation. Un soutien à la formation continue des chercheurs en entreprise, un engagement plus ferme sur les objectifs assignés de la recherche partenariale, diminution des délais, assouplissement des modalités de gestion de la propriété intellectuelle. En remerciant notre rapporteur, chère Sylviane, pour l'importance de ses travaux, le groupe des entreprises votera favorablement cet avis. Merci. Monsieur Bonduel, pour le groupe Environnement et Nature. D'abord, un hommage appuyé à notre ami Jacques Béal. Il a défendu la cause des océans, une vague à la fois, jusqu'au bout. Adieu, Jacques. La vie, maintenant. La question essentielle des moyens de la recherche est bien portée dans cet avis que nous voterons. Une augmentation forte et rapide des ressources s'impose dès maintenant, pas après-demain comme dans le projet de loi. Bravo donc à Sylviane et à la section pour ce travail. Nous souhaitons cependant insister sur l'indépendance d'expertise, une dimension cruciale pour les défenseurs de l'environnement.
La recherche remplit un ensemble de fonctions résumées par le Centre de sociologie de l'innovation de l'École des mines de Paris, le progrès des connaissances, la contribution au renouvellement de l'enseignement, le soutien au développement économique, la contribution au débat public et aux choix de société, et enfin, l'appui à la gestion des biens publics. Ces deux dernières fonctions s'exercent notamment sous forme d'expertise pour éclairer la décision publique au nom de l'intérêt général. Comme le souligne l'AVI, les faiblesses structurelles de la recherche française multiplient les risques de conflits d'intérêts vis-à-vis des grandes entreprises privées ou publiques. Or, les biais de financement sont soulignés par l'étude récente du CESE Sciences et Société. Les thèmes abondent où le progrès de la connaissance et sa mise en œuvre ne peuvent se passer d'une science solide, intègre et responsable. Il y a bien sûr la manufacture du doute menée par certains lobbies, les controverses sur la 5G, sur les pesticides ou les additifs alimentaires par exemple, demandent cette indépendance et ces séparations entre des missions d'évaluation des risques et celles liées au développement économique. Nous sommes ici en accord avec les propositions de l'AVI qui visent à garantir un service public attractif pour nos chercheurs. Ce service est actuellement en déliquescence. Les formes d'emploi insécurisées, la gestion de carrière calamiteuse, le fonctionnement des appels à propositions et la perte de temps invraisemblable consacrée à la recherche de fonds et à la paperasserie aggravent le mal-être des chercheurs et la tentation de partir à l'étranger. Un exemple pour conclure, issu de nos débats passionnants. La vétusté des avions du CNRS, spécialisés dans les mesures de l'atmosphère, condamne bientôt ces laboratoires volants. Ils ne seront jamais remplacés sur crédit d'impôt recherche ou sur appel ANR. Pourtant, ils conditionnent la vérification des traités, l'élaboration des règles d'avenir pour l'aviation, la connaissance sur les polluants chimiques, climat, trous dans la couche d'ozone, pollution transfrontière, mais aussi l'indépendance de nos choix industriels vis-à-vis des autres pays. Merci. Monsieur Stéphane Génic pour le groupe de la Mutualité. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chère Sylviane. C'est bon. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chère Sylviane, chers collègues, cette plénière nous donne l'occasion d'apporter notre contribution et de réaffirmer nos priorités, alors que le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche débute son examen à l'Assemblée nationale. La recherche a pour mission d'assurer le progrès des connaissances, son caractère vital doit être réaffirmé. Investir dans la recherche, c'est se donner les moyens de mieux comprendre le monde, c'est améliorer la qualité de vie de chacune et chacun d'entre nous, c'est préparer l'avenir. Il y a 20 ans, la France s'était fixée pour objectif de consacrer 3% de son PIB à la recherche. Le constat est clair, vous nous l'avez rapporté, Madame la rapporteure, elle s'en éloigne. Pour pouvoir accompagner les mutations profondes de notre société et faire face aux risques, notamment sanitaires, la recherche doit pouvoir se fixer des objectifs ambitieux. Cela passe par une programmation financière à la hauteur de ces défis, par l'indépendance et la créativité de notre système de recherche. L'épidémie de la Covid-19 a mis en évidence la nécessité de repenser nos pratiques en matière de recherche, et en particulier de recherche en santé. Ces recherches sont souvent longues, coûteuses, ne donnent pas de résultats à court terme. Elles nécessitent donc la construction d'un environnement de recherche qui soit pérenne. Comme souligné dans le projet d'avis, les sciences humaines et sociales sont aujourd'hui le parent pauvre de la recherche. Pourtant, elles ont pour mission de décrire, d'analyser et de comprendre notre société, les hommes et les femmes qui l'habitent, bref, de décrypter les organisations qui sont les nôtres et parfois complexes. Bref, elles sont essentielles, ces sciences humaines, à la compréhension du monde dans lequel nous vivons. C'est pourquoi, comme le CESE le préconise, il est primordial de rééquilibrer le financement en leur faveur. Le groupe de la Mutualité souhaite profiter de cette nouvelle occasion qui lui est donnée pour réinsister sur deux convictions. Nous le savons, l'effort de recherche ne pourra atteindre l'objectif des 3% du PIB sans une stratégie commune volontariste entre la recherche publique et les entreprises. Un véritable partenariat est nécessaire pour encourager davantage les industries de santé à localiser leurs recherches et développer dans notre pays. Mais c'est à l'échelle européenne que nous devons penser l'effort de recherche et construire un espace du savoir et de l'innovation. La seconde conviction, c'est que l'excellence de demain se prépare aujourd'hui. Il n'y a pas de recherche solide sans formation, sans susciter des vocations de chercheurs. Notre pays ne pourra s'engager avec confiance dans la bataille de l'intelligence qui se joue au niveau mondial sans ces femmes et ces hommes qui, par leur intelligence, leur créativité et leur travail, y contribuent dans les laboratoires publics et privés, dans les entreprises, dans les universités et les grandes écoles. Tout doit donc être fait pour prendre la carrière scientifique, pour rendre la carrière scientifique en France plus attractive et revaloriser, comme vous le soulignez, Madame la rapporteure, les rémunérations des chercheurs.
C'est parce que nous sommes à un moment préoccupant pour l'avenir de notre recherche que le groupe de la Mutualité votera le projet d'avis. Merci. Madame Lila Lebas pour le groupe Organisation étudiante et mouvement de jeunesse. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues, il y a 2 mois, dans cet hémicycle, nous vous lisions le témoignage désabusé d'une chercheuse qui fait écho à ceux que nous avons entendus précédemment et sa vision tristement honnête de l'avenir de son métier. De son avenir, à elle, remis en cause, faute d'un financement suffisant de la recherche française, comme le montre clairement la préconisation numéro 1 de cet avis. Cette désillusion naît en premier lieu de la grande précarité du statut de chercheur qui se manifeste par un enchaînement des contrats courts dans un domaine pourtant où le temps long est gage de qualité. Que dire des postes de vacataires dont les indemnités ne sont payées qu'à la fin du semestre, pour qui les congés payés sont parfois inexistants, tout comme le congé maladie ou le congé parental. Loin de remédier à la précarité du statut de chercheur, le projet de loi ne fait que la déguiser sous couvert notamment du fameux CDI de mission scientifique ou des chaires d'excellence junior. Et pourtant, il est nécessaire d'embaucher massivement sur des postes statutaires, comme le demande la préconisation 7 que nous soutenons. L'augmentation des titularisations, au-delà de la stabilité de vie qu'elle offrira à de nombreux chercheurs et chercheuses, permettra aux laboratoires de rétablir des stratégies sur le long terme, ce qui est essentiel. Car la concurrence dans le domaine de la recherche possède de nombreuses limites qui entraînent désormais des effets délétères. Ils se font sentir, par exemple, dans l'attractivité des domaines de recherche. Les sciences humaines et sociales sont les premières victimes de cette mise en concurrence des projets et souffrent depuis des années d'un sous-financement chronique. 2 fois moins financées que les recherches sur le vivant, elles offrent pourtant un décryptage indispensable et essentiel des défis sociaux et sociétaux à venir. La condition des doctorants et des doctorantes dans ces domaines est particulièrement inquiétante. Redoter les crédits de base, c'est aussi encourager la prise de risque dans les sujets de recherche envisagés et éviter le développement de tendances, gages de financement. Le groupe soutient également, en ce sens, la préconisation numéro 6. Si le gouvernement a dévoilé dans son plan de relance l'ouverture de places supplémentaires au sein de l'enseignement supérieur, le financement qui y est attribué est largement insuffisant. Cette année encore, nous pouvons voir les mêmes images d'amphithéâtres bondés et d'étudiants assis par terre. Il est urgent de donner aux universités les moyens d'accueillir et d'accompagner convenablement chaque jeune, particulièrement en cette rentrée dans un contexte sanitaire où certains établissements privilégient encore les cours en distanciel. Cela passe par l'attribution de moyens supplémentaires propres à leur mission d'enseignement et à leur fonctionnement, en plus des crédits dédiés à l'activité de recherche. Face à la crise de la recherche française, l'avis propose une réflexion de qualité sur ses causes et des solutions à y apporter. En ce sens, nous remercions Madame la rapporteure. Le groupe votera favorablement cet avis. Je vous remercie. La parole est à Madame Sarah Moussoun du groupe de l'Outre-mer. Monsieur le Président, chers collègues, ne trouve-t-on pas le Centre de recherche spatiale en Guyane, le CIRWA, plateforme de recherche biomédicale à La Réunion, ou encore l'Institut de sciences exactes et appliquées en Nouvelle-Calédonie, pour ne citer que. Mais en examinant attentivement le projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021-2030, le gouvernement semble encore une fois ignorer l'apport des Outre-mer. Le déclin de la recherche française n'a cessé de se creuser au fil des années. Moyens insuffisants, structures inadaptées, manque d'attractivité, tant le niveau de salaire et les conditions de travail ne sont pas à la hauteur des enjeux. La compétition européenne et internationale dans la recherche de médicaments et d'un vaccin pour éradiquer la COVID-19 a permis à l'opinion publique française de prendre conscience des réalités du monde de la recherche en France, qui pourtant devait être le fer de lance du développement de notre pays. Si l'État a décidé à travers ce projet de loi de programmation de tracer un horizon pour atteindre les 3% du PIB à horizon 2030, il a jusqu'à présent stabilisé le budget de la recherche sans véritable stratégie et perspective, et cela ne date pas d'hier.
Comme nous l'avons mis en lumière dans la contribution de la délégation à l'Outre-mer, les effectifs dédiés à la recherche et développement représentent en Outre-mer seulement 0,6% des effectifs nationaux, alors que la population ultramarine représente 4,1% de la population nationale. Par ailleurs, les dépenses intérieures de recherche et développement à destination des territoires ultramarins représentent environ 271 millions d'euros, soit 0,5% des dépenses nationales. Pourtant, les gouvernements successifs ont toujours présenté la recherche et l'innovation comme éléments moteurs des politiques de développement économique permettant d'accroître la compétitivité des territoires ultramarins. Le livre bleu issu des Assises des Outre-mer a lui aussi fixé une nouvelle ambition de faire des Outre-mer des territoires pionniers et d'innovation. Mais alors, quelle utopie ! Comment fixer de tels objectifs quand par ailleurs les moyens de la recherche dans ces territoires ne représentent seulement que 0,5% du PIB ? N'est-ce pas un insupportable déclassement que les travaux des centres de recherche spécialisés, notamment autour du CIRAD, du CNES, de l'IRD, de l'IFREMER ou de l'Institut Pasteur et des laboratoires des 6 universités ultramarines ne soient pas utiles à la compréhension des effets de réchauffement climatique, de la préservation de notre biodiversité, de la connaissance des maladies infectieuses? Nous appelons de nos voeux l'ensemble des parlementaires à enrichir ce projet de loi de programmation pour que la recherche ultramarine rentre pleinement dans la stratégie nationale. De plus, que la part consacrée à la recherche ultramarine soit significative et que l'Agence nationale de la recherche soit dotée d'un pôle outre-mer, notamment pour une vraie prise en compte et une visibilité de l'excellence de ces territoires. Notre vote est un appel à l'enrichissement des dispositions de ce texte si nous voulons redonner espoir et perspective à nos jeunes chercheurs. Merci. Madame Bernadette Groison, pour le groupe du groupe des personnalités qualifiées. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues, cet avis présenté aujourd'hui offre un diagnostic précieux sur l'état préoccupant de la recherche dans notre pays. Le sous-investissement y est patent. Parmi les grands acteurs mondiaux de la recherche, la France est le seul pays dont l'effort en ce domaine n'a pas progressé ces dernières années. L'engagement de 5 milliards d'euros sur 10 ans prévu par le gouvernement ne permettra pas d'y remédier, comme cela a été dit ici même à la ministre le 24 juin dernier. Alors que nous sommes en pleine crise sanitaire et sociale, qu'il est question de relance, comment pourrions-nous négliger l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche ? Il est urgent d'engager des stratégies de développement au regard des enjeux de société, des nombreux défis, notamment ceux de la transition écologique et de la transformation numérique qui sont devant nous. Cet avis permet de préciser la nature des investissements qui sont pour cela nécessaires, notamment l'augmentation des budgets, le rééquilibrage entre crédits de base et financement des appels à projets, mais également la création d'emplois stables, permanents et de qualité. Car l'enseignement supérieur est le secteur de la fonction publique de l'État où il y a le plus de précarité. C'est préjudiciable tout d'abord à ces personnes, souvent des jeunes docteurs hautement qualifiés, mais aussi à la recherche. Instabilité permanente pour des travaux qui doivent pouvoir s'inscrire dans la durée, perte de compétences, d'expertise. Pour la recherche, le statut général des fonctionnaires est aussi une garantie de stabilité, d'indépendance et donc de qualité des travaux produits. Autant d'options cruciales pour l'avenir de la recherche dans notre pays qui répondent aux attentes massivement exprimées par les personnels. Les débats liés à la crise du Covid-19 exigent d'entendre l'appel de cet avis pour la maîtrise sociale des enjeux scientifiques et technologiques, indispensable au choix démocratique que nous avons à faire. Pour cela, n'oublions pas de renforcer la culture scientifique. Les carences en ce domaine conduisent ou du moins contribuent à une défiance préjudiciable, voire dangereuse. La question de la place des sciences humaines et sociales en est un enjeu important. Enfin, la FSU se retrouve pleinement dans la nécessaire reconnaissance des personnels sans qui, dans des conditions pourtant difficiles, la recherche française n'existerait pas. Il faudra d'ailleurs, comme le souligne l'avis, s'attacher à faire de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans ce secteur une réalité. Il est temps de donner l'élan nécessaire à l'enseignement supérieur et à la recherche. C'est pourquoi, représentant la FSU, je ne peux que souscrire à cet avis éclairant et porteur de propositions d'avenir. En le votant, j'espère qu'il sera suivi d'effet. Merci. Monsieur Daniel Julien Noël, pour les professions libérales. Il nous appartient de rendre un avis sur le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Alors que tous les observateurs s'accordent
sur le caractère préoccupant de la recherche publique dans notre pays. Le financement en est très insuffisant, avec en moyenne 2,2% du PIB, loin de l'objectif européen de 3% fixé en 2003 lors du sommet de Lisbonne. La recherche privée s'inscrit malheureusement dans cette même tendance. Les 15 préconisations de l'avis proposent des réponses structurées et méthodologiques. Trois axes principaux sont développés. De première part, le financement de base des établissements de recherche doit être revu très significativement à la hausse et permettre de développer une véritable politique scientifique. Vos propositions, Madame le rapporteur, en ce domaine, offrent des pistes robustes. L'effort budgétaire pour soutenir la recherche publique doit être significatif pour répondre aux enjeux économiques de la nation. De seconde part, la revalorisation du statut des chercheurs, et notamment des doctorants, appelle également un effort financier et budgétaire et une revalorisation des statuts indiciaires. De troisième part, ce sont les pistes d'un soutien nouveau à la recherche privée qui sont explorées. L'amélioration des dispositifs d'aide publique à la R&D privée s'impose, ainsi que le CESE en avait fait l'une de ses préconisations lors du RAEF 2019. Rien n'est à changer dans notre proposition d'alors. Il convient cependant d'être attentif à conserver aux entreprises privées une large part d'autonomie dans leur investissement de R&D, une régulation trop drastique risquant d'entraîner des effets contre-productifs. Concernant par ailleurs les structures d'interface entre recherche publique et recherche privée, l'analyse selon laquelle ces échanges sont décisifs pour le développement de la recherche, donc pour la compétitivité du pays, rejoint celle que le CESE avait déjà faite en 2019. Vous déplorez cependant, et à juste titre, le manque de lisibilité et parfois la redondance de ces interfaces. Enfin, votre proposition numéro 11 est innovante. Elle soutient le renforcement du cadre déontologique de la recherche, initié par la circulaire Mandon en 2017 et par les textes subséquents. Elle permettrait de sécuriser les investissements et valoriser le statut des chercheurs. Transparence des financements, déclaration d'intérêt, droit d'alerte, elle s'inscrit dans la volonté des citoyens d'une plus grande exigence morale dans toutes les activités touchant à l'organisation de la société. Le groupe des professions libérales votera l'avis. Merci. Monsieur Bernard Tranchant pour le groupe de l'UNAF. La recherche interfère sur de nombreux sujets de la vie quotidienne des familles, comme le souligne à juste titre le présent avis. Tous les domaines des activités humaines, la santé, l'alimentation, les transports, l'habitat, l'énergie, les communications, la culture ont besoin de grandes avancées scientifiques. Une fois ce postulat posé, cela va-t-il de soi que la recherche doit être encouragée par l'action politique ? La réalité n'est malheureusement pas aussi simple et le présent avis marque un certain nombre de limites que le groupe de l'UNAF soutient. L'urgence de la pandémie du Covid-19 a remis au premier plan, sous une forme renouvelée, le difficile problème de la rencontre entre la connaissance scientifique et la pratique politique. Il est urgent de retrouver une ambition pour la recherche française et européenne, et cela passe par une programmation claire de moyens financiers supplémentaires pérennes, pour que la France retrouve son niveau d'investissement des pays les plus en pointe. La recherche prépare l'avenir, c'est un investissement. Les moyens financiers ne sont pas tout. La recherche doit s'inscrire dans une stratégie globale avec le respect d'un certain nombre d'équilibres à trouver. Au débat entre scientifiques, se superpose le débat sur les valeurs en jeu dans toutes les actions politiques. Ce sont deux lieux de débat distincts qui s'interpénètrent et s'articulent l'un l'autre. Ils participent tous deux de la vie d'une démocratie dynamique. Pour ce faire, le groupe de l'UNAF partage plusieurs nécessités. Renforcer la culture scientifique nationale, réhabiliter les sciences humaines et sociales, mettre fin au gâchis de ressources humaines que sont les doctorants. Le développement de la culture scientifique est un impératif à tous les âges de la vie et contribue à la prise de conscience et à l'analyse du monde qui nous entoure. Cette culture conduit aussi à définir une controverse scientifique permettant de dépasser des débats sans issue apparente
qui traverse, divise et parfois déchire la société. La politique de transparence ouvre à un rapport critique, c'est-à-dire attentif, aux limites de chaque point de vue. Une large interdisciplinarité qui inclut les sciences humaines doit donc s'imposer dans les programmes de recherche et la constitution des groupes d'experts. L'avis dénonce, à juste titre, le gâchis que représente la non-reconnaissance des compétences développées par les doctorants. Revaloriser le doctorat et permettre des passerelles des organismes de recherche vers les entreprises et la fonction publique doivent être favorisées. Le groupe de l'UNAF remercie la rapporteure pour ce travail très documenté et votera le projet d'avis. Merci. On arrive au terme des différentes interventions. Il n'y a pas de demande de prise de parole, donc nous allons procéder au vote donc par SMS. Le résultat va vous être envoyé d'ici un quart d'heure, une demi-heure, par mail. Donc on va être en mesure donc d'arrêter la séance. Je voudrais donc remercier les différents intervenants voilà, au cours de cette longue séance. Et puis, je vous rappelle que demain, nous avons à 14h30 la présentation du projet d'avis, le bilan de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, avec un duo de choc, Alain Bourgoin-Dubourg et Pascal Ferré, voilà, rapporteur de la section environnement, présidée par Anne-Marie Ducroux. Donc, je vous donne rendez-vous demain à 14h30, nous levons la séance et on va vous envoyer donc, le résultat du vote qui va vous permettre d'avoir un vrai vote avec le vrai score, compte tenu de la nature voilà, de ce vote par SMS, dans la demi-heure qui vient. Merci bien. Au revoir.